Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin 2023 et nous remercions tous ceux qui partagent notre idéologie et qui font preuve d'abnégation en étant avec nous ici tous les jours pour essayer de partager le peu que nous savons, mais surtout pour nous permettre d'apprendre davantage. Et nous disons merci à toutes ces personnes qui se prête à ce festin intellectuel. Avant de tomber dans les sujets du jour, il y a déjà une information que nous avons reçue depuis hier. C'est le décès de John Umfu Di. C'était le seul opposant, dans la durée en tout cas, à Paul Nwondo Biya du Cameroun. Et c'est une perte énorme pour les opposants camerounais, dans la mesure où le vieux dictateur impénitent ne peut que se réjouir. La deuxième information, c'est concernant un de nos cyberactivistes, Bob Lee, qui n'est pas dans ses meilleures conditions de santé. Et nous le souhaitons tout le mieux. Et il aurait reçu un sort provenant du Gabon à cause de ses invectives contre une personne qui serait décédée. Et les Gabonais disent lui avoir lancé un sort, ce qui l'aurait mis dans ces conditions-là. Et nous disons comme ça que dans la vie, la parole a quelques ennemis. En l'occurrence, lorsqu'elle ne vous est pas adressée, vous ne devez pas y mettre votre bouche. C'est très important. Tout ce qui ne te concerne pas, là, quel que soit ce que tu as à dire, là, tais-toi. On peut parler entre nous ivoiriens, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tant que les autres ne nous attaquent pas, ne nous intéressons pas à leurs problèmes. C'est vraiment très important. Et on termine avec une note extrêmement triste. C'est l'état de santé de deux de nos sœurs aussi qui sont cyberactivistes. Ça fait pitié, ça fait rire et en même temps, c'est ce que vous pourrez prendre comme vous voudrez. Mais c'est le monde des gores et chaque fois, vous verrez que ce sont des messages extrêmement choquants, des messages à la fois même dégradants, mais c'est leur monde, c'est leur manière de vivre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et là, être capable de venir exposer l'état de santé de deux personnes qui seraient accusées d'avoir le VIH et l'exposer à cause de la haine viscérale de l'un contre l'autre, je n'ai pas trouvé cela assez intéressant et ça devrait rester confidentiel parce que l'état de santé, quoi qu'il en soit, doit être confidentiel et ne doit pas être exposé au grand jour. C'est vraiment très important. La dignité humaine doit se respecter, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'on se verra opposé à quelqu'un. Et donc, voici un peu le message qui est là. Vous allez écouter. Pour les oreilles non averties, c'est assez choquant comme message à entendre. Mais, ayez du cœur. Et après, les conseils d'usage que nous pourrions donner, nous le ferions. Et donc, on écoute ici le message. Et donc, après cela, on va pouvoir évoluer. J'étais assis ici. Et puis, moi, je suis sorti pour dire que les chanteuses de funérailles de Blé Boudé, elles ont VIH. Hein? Que si elles sont femmes là, elles n'ont pas fait les tests pour venir présenter ça sur Facebook. Elles ne sont jamais venues. Celles-mêmes qui leur ont donné l'argent, puisqu'on sait que c'est des mendiants, elles n'ont rien fait, elles ont boite.
qui vous a aidé à aller faire le test là, quand vous êtes revenu là, vous ne lui avez pas dit que voici les, vous ne lui avez pas montré les résultats. Moi, je ne suis pas comme vous. Les chanteurs de funérailles n'ont jamais envoyé les preuves de les VIH là à Zombrot qui les a envoyés d'aller faire les tests là. C'est vous les mutuellement qui m'entendent, mais vous n'avez pas d'homme dans vos vies. Même les chanteurs de funérailles, les gens les ont grecs dans Paris là. Les gens les ont grecs. Mes parents m'ont déjà couché, elles, jusqu'à aujourd'hui là. Elles et toute la soeur sont dans la même maison, sans gars, sans rien. Tellement se sont livrés aux gens. Comme la brutie de Blé Boudé là. C'est ça, ils vous envoient. C'est-à-dire qu'on a fait quand ils voient que les gens font la communication, ils envoient ces petits, petits cafards là. Les petites femmes là. Pour venir vous lancer les piques aux gens. Et puis on va bannir le combat pour aller vous regarder. Vous allez vous mentir. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu, pour ceux qui sont familiers de la toile, vous comprendrez aisément de quoi il est question. Et nous dirions comme ça simplement à nos sœurs qui sont déjà exposées, parce que l'état de santé doit être toujours privé. Le secret médical oblige. Mais tel que leur état de santé a déjà été exposé, ce que nous pouvons leur dire et leur recommander, c'est de reprendre leur test sanguin ou bien de faire le test TROD. T-R-O-D. C'est un test rapide à orientation diagnostique. Ça va beaucoup les aider dans leur dépistage. Et ça va leur permettre de savoir aussi. Et une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que puisqu'elles vivent en France, il y a quand même des pléthores d'institutions qui peuvent les aider. Et donc, elles peuvent contacter SIDA Info Service. Comme elles connaissent déjà l'outil informatique, elles peuvent taper www.sida-info-service.org ou bien elles peuvent appeler anonymement le 0800 840 800. C'est un numéro gratuit et lorsqu'on appelle, on n'est même pas obligé de donner son nom. C'est vraiment très important. C'est vraiment ce que nous aurions pu faire pour leur donner des conseils. Et surtout, surtout dire à certains de nos concitoyens ivoiriens de ne pas s'amuser quand même avec la vie privée jusqu'à un certain niveau. Elle est sacrée, cette vie-là. Et surtout quand ça concerne l'état de santé, il n'y a nul humain qui peut estimer que lui, il a une garantie qu'il ne tomberait pas malade ou qu'un jour, il ne se retrouverait pas dans cette condition-là. Mesdames et messieurs, nous passons à d'autres sujets. Le sujet numéro 1 concerne la visite officielle du président Dinou Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara rassure que Bédié, Gbagbo et lui sont totalement réconciliés. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, animant un point de presse le lundi 12 juin 2023 avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, en visite officielle en Côte d'Ivoire, a affirmé que les présidents Gbagbo, Bédié et lui sont totalement réconciliés. Je me souviens que vous avez, en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, passé plusieurs jours avec nous en Côte d'Ivoire pour nous réconcilier. Le président Gbagbo, Bédié et moi-même. Et je sais que ce n'était pas une tâche facile, mais aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez réussi, car nous sommes totalement réconciliés, a témoigné le chef de l'État ivoirien. Tout en saluant la signature des 13 nouveaux accords entre les deux pays, le président Ouattara a déploré le niveau des échanges entre eux qui ne reflète pas le potentiel économique et leur volonté de les promouvoir. Pour lui, l'application du secteur privé est donc primordiale. D'où mon souhait de voir nos secteurs privés ivoiriens et congolais s'impliquer davantage dans la recherche des opportunités d'investissement, a-t-il émis en tant que vœu. De son côté, le président Denis Sassou Nguesso a souhaité que son pays s'inspire du modèle de développement agricole de la Côte d'Ivoire. Il a salué le dynamisme de la jeunesse africaine et la richesse des ressources naturelles du continent qui peuvent lui permettre d'aller de l'avant. Ce point de presse a été précédé de la signature de 13 accords de coopération bilatérale dans plusieurs secteurs. C'est une information qui est tirée de sources Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui nous intéresse dans cette information-là, ce n'est pas vraiment l'aspect économique,
C'est surtout la phrase émise par le président de la République. Je me souviens que vous avez passé longtemps avec nous ici. Ce ne fut pas une tâche facile. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez réussi, car nous sommes totalement réconciliés, a témoigné le président Alassane Ouattara. C'est cette phrase-là qui nous intéresse. Vous allez m'excuser. Et donc, qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? Cette phrase-là veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas souvent le langage politique, que ce que je vous disais hier, là, au risque de me répéter, Bédier et Gbagbo avaient voulu faire une déstabilisation. Ce n'était pas l'année dernière, c'était dans la semaine passée là. Et comme ça n'a pas marché, ils savaient, leur service de communication savait que Sassou Nguesso venait en Côte d'Ivoire. Ils se sont précipités pour lui demander de venir dire à Ouattara qu'il lui demande pardon de ne pas les mettre en prison, mais de ne pas les humilier. Voilà la réalité qui est en face de vous, simplement expliquée. Et donc, on ne peut pas venir dire ça, comme de la monnaie, moi je suis en train de dire au grand jour. C'est ce que le monsieur est venu, sinon, quelqu'un qui est venu pour des accords économiques, et puis qui demande pardon pour d'autres personnes, alors qu'ils ne sont pas congolais. C'est là que le président Ouattara lui a dit, nous là, la première fois où tu es venu là, tu as passé longtemps, tu nous as réconciliés. Nous, on est vraiment réconciliés maintenant. Il ne faut même pas craindre. On est très réconciliés. Très, très réconciliés. Très, très vivants ensemble. Très, très... comment on va vivre ensemble? Il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Les accords économiques et autres, on n'a qu'à signer ça. Et donc, qu'est-ce que ce message-là veut dire? Ça veut dire, le président Ouattara lui-même là, il a fini avec leur réconciliation là. Il dit, car nous sommes totalement réconciliés. Ça veut dire qu'ils sont archi réconciliés. Quand on dit que quelque chose est totalement rempli là, ça veut dire que c'est rempli de chez rempli. Donc là, ça veut dire la réconciliation dans la bouche, la réconciliation imaginaire, la réconciliation pour cacher leurs erreurs là, ou bien leurs méfaits là, ce temps là est passé. Et donc, vu que tout le monde est totalement réconcilié déjà, je crois qu'on sera les meilleurs amis du monde. Ça veut donc dire qu'on va marcher la main dans la main. C'est ce que ça veut dire. Et donc, quand on se voit à plus de 80 ans et à 78 ans, en train d'emmerder son peuple, en train d'emmerder les Ivoiriens qui n'aspirent qu'à vivre en paix, c'est vraiment énervant. Et je ne sais même pas quel bilan ces personnes-là, je parle de Laurent Gbagbo et de Bédier, veulent laisser à la postérité. Avec un tel comportement, toujours dans les sales coups, c'est eux qui sont là chaque fois, s'ils ne sont pas en train de donner de l'argent à des enfants des autres pour venir se mettre en scène, pour commettre des crimes. Finalement, je crois que ce serait vite fait que la nature puisse se charger de vous pour que le monde entier vous oublie. Parce que votre haine viscérale pour Alassane Ouattara est telle que vous ne faites même plus la différence entre votre ennemi et celui que vous êtes en train de combattre. Mais comme nous disait le grand maître Nietzsche, à force de combattre celui que vous voyez comme un monstre, c'est vous qui êtes devenu le monstre à la place d'Alassane Ouattara. Plus vous combattez Alassane Ouattara, là, c'est là que nous voyons vos côtés monstrueux, inhumains, méchants. Parce qu'en vérité, tous les Ivoiriens ont compris aujourd'hui que s'il y a des monstres en Côte d'Ivoire, il y a des personnes inhumaines en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo et puis Bédier. Toujours dans la méchanceté, toujours dans le faux coup, toujours dans le mensonge, toujours dans la bassesse. Et chaque fois, c'est eux qui sont là. Nous, on demande une réconciliation. Réconciliation, là, nous on met ça dans le WC et puis on flash. C'est ce que le président Ouattara vient de dire devant tout le monde. La réconciliation est déjà faite. On ne peut pas passer une vie en train de se réconcilier. Après, on doit aller au champ pour travailler. Donc là, la réconciliation hypocrite, mensongère, ça, le temps est terminé pour cela. Vous allez assumer les conséquences de vos actes. Et on vous a toujours conseillé, les enfants des gens qui se sont abonnés à l'école de ces médiocres-là. Vous voilà dans pain aujourd'hui. Vous êtes dans pain aujourd'hui. Les BD et autres, là, eux sont en train de siroter le petit lait. Mais vous, vous êtes en prison actuellement, là. Continuez à croire en ces personnes-là. Ce qu'il y a dedans, là, ça ne va pas vous rater. Sujet numéro 2. Saison des pluies. Ce qui est demandé aux parents pour éviter les drames. La Côte d'Ivoire
comme annoncé par les prévisions de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODEXAM, des précipitations sont enregistrées sur toute l'étendue du territoire national depuis le mois de mars 2023. Elles sont de plus en plus fortes depuis la fin du mois de mai. Ces fortes pluies ont généralement pour corollaire des dégâts humains et matériels. La particularité de ce début de saison des pluies est le nombre important d'enfants victimes des intempéries. Déjà, le mécanisme d'alerte précoce de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, en abrégé OSCS, a enregistré de janvier au 6 juin 2023 17 cas d'enfants victimes des effets néfastes des pluies, dont 15 décès et 2 blessés. 4 ont été emportés par les eaux de ruissellement. 2 tués et blessés par la foudre. 4 sont morts suite à l'effondrement de leur maison et l'écoulement d'un mur sur eux. 4 sont morts par noyade dans des cours d'eau ou retenus d'eau pendant des moments de baignade. Une fillette a été électrisée puis en est décédé suite à une chute dans une flaque d'eau dans laquelle traînait un câble électrique sous tension dans une rue inondée. Face à ces drames liés aux pluies diluviennes, mais aussi à des cas de noyade au cours de baignade, l'OSCS en appelle à la vigilance accrue des parents et de tous les adultes pour éviter ce type de drame. En termes pratiques, l'OSCS recommande vivement aux parents 1. D'interdire aux enfants de jouer sous la pluie et dans les eaux de ruissellement. 2. Interdire aux enfants toute baignade dans les cours d'eau ou dans les retenues d'eau en ces périodes de crue. 3. Éviter tout déplacement des enfants sous la pluie ou en cas de force majeure. Les faire accompagner par des adultes qui devront observer la plus grande prudence. 4. Interdire aux enfants de jouer à proximité des cours d'eau et des caniveaux. 5. Conseiller aux enfants d'éviter de s'abriter sous les arbres et les abris métalliques pendant la pluie. 6. Surveiller la montée des eaux dans la zone à risque d'inondation. Et 7. Renforcer la surveillance des enfants. C'est une information tirée du service de communication de la SODEXAM. Et là, ça fait encore plus mal quand on voit des cas d'enfants décédés. Ça fait extrêmement mal au cœur. Ce sont nos enfants. Nous souhaitons vraiment que Dieu puisse accepter leurs âmes dans sa mansuétude, dans son paradis. Mais nous disons, les parents qui mettent la vie de ces enfants en danger, là, que Dieu les maudisse à jamais. Et que Dieu fasse que eux-mêmes, là, les vies qu'ils ont mises à risque pour en arriver à une mort, que Dieu même fasse aussi qu'un véhicule les écrase aussi. Là, avant de mourir, là, ça va casser leurs os et puis ça va exploser leur vilain corps. Là. Parce qu'en réalité, on ne peut pas, comme je l'ai dit hier, excuser la perte d'une vie parce qu'on est pauvre ou bien par imprudence. À un certain moment, on pense que c'est Dieu qui va venir jouer notre rôle à notre place. Dieu n'a pas ce temps-là. Soyons extrêmement prudents. Il y a une saison des pluies, il y a une saison des hivernages comme de la sécheresse aussi. Ça se passe devant nous tous. Et le comportement aussi doit varier. Quand on est en saison sèche, il n'y a pas de problème. Mais quand on est en saison hivernale, en saison de pluie, les comportements aussi doivent changer tout naturellement. Et ça, pour le seul bénéfice de sauver notre propre vie. C'est vraiment très important. Et quand on regarde même que la pluie tue les enfants plus que la guerre, le VIH-Sida et le coronavirus combiné, ça fait extrêmement très mal. Imaginez-vous qu'il y ait un tremblement de terre en Côte d'Ivoire ou bien une catastrophe naturelle. Et donc, nous prions pour que l'âme de ces enfants, de nos enfants, là, puisse reposer en paix. Je ne parle pas des adultes qui eux-mêmes cherchent la mort. Ça, il faut que ce soit clair. Sujet numéro 3. Ils sont heureux, mais ne le savent pas. Je me souviens avoir beaucoup ri lorsque j'ai pour la première fois entendu un Ghanéen
dire que les Ivoiriens sont des gens heureux, mais qui ignorent qu'ils sont heureux. Nous étions en 2000, avant le coup d'État, avant notre décennie noire. C'était au temps où Henri Konabédié nous promettait le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, entre guillemets. Cette belle promesse me convainquait, ne convainquait pas bon nombre de nos compatriotes, surtout les étudiants et les opposants, qui continuaient de se plaindre de tout et de rien. Les 10 chantiers de l'éléphant d'Afrique, entre guillemets, ne rassuraient pas ces derniers qui n'y voyaient que de la poudre aux yeux. Le Ghana, à côté de nous, était dirigé par le capitaine Jerry Rawlings, que l'on disait alors meilleur élève du FMI, que l'on félicitait pour avoir stoppé la descente aux enfers du Ghana. Mais les Ghanéens savaient qu'ils revenaient de très loin et ils étaient encore très loin derrière la Côte d'Ivoire. Avant l'accession de Rawlings à la tête du Ghana, la situation économique de notre voisin était si désastreuse qu'en Côte d'Ivoire, on disait de quelqu'un qui traversait une mauvaise passe qu'il était tombé comme le Ghana, entre guillemets. Jerry Rawlings avait de manière spectaculaire réussi à redresser son pays, mais en employant la manière forte. Il n'hésita pas à faire fusiller plusieurs personnes, dont des anciens chefs d'État. Au pays du bouillant capitaine, on ne plaisantait pas avec beaucoup de choses, dont les deniers publics. La Côte d'Ivoire était la seconde économie de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Mais le désordre et la violence qui régnaient déjà dans ce pays faisait qu'il n'attirait personne. Notre pays faisait alors rêver. Et puis, le 25 décembre 1999 est arrivé avec Guy Robert. 10 mois chaotiques. Puis Laurent Gbagbo est arrivé à son tour. Puis septembre 2002. Puis tout le reste, jusqu'en avril 2011. Nous sommes en 2023 et nous sommes toujours la seconde économie de l'Afrique de l'Ouest et l'une des plus performantes du monde, en tout cas du monde réel. N'en déplaise à un certain évêque catholique, c'est lorsque l'on compare le point où nous étions en avril 2011 à celui que nous avons atteint aujourd'hui que l'on voit la performance. Souvenons-nous de l'état de nos routes, de nos écoles, de nos universités, de nos centres de santé, de la fourniture d'électricité, d'eau. Que ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire d'avant avril 2011 essaient d'être de bonne foi. Comparons nos salaires à ceux des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Personne ne dit que tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Il y a encore de nombreux problèmes à régler, beaucoup de choses à améliorer, à faire et même à bannir. Nous sommes tous conscients. Figurez-vous que même en France ou aux États-Unis, il y a des mendiants dans les rues, dans les bidonvilles, des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir, à se soigner. Pointer du doigt les difficultés actuelles et ce qui n'a pas encore été réalisé est une bonne chose. Il ne faut jamais laisser les gouvernants dormir sur leurs lauriers, mais le faire en tenant compte du chemin parcouru est plus honnête. Il est aussi bon de tenir compte de l'environnement. Comparaison n'est pas toujours raison, mais elle permet aussi de mieux apprécier ce que l'on a. Jetons simplement un coup d'œil sur nos voisins proches ou lointains et nous comprendrons mieux notre situation. L'Église catholique a récemment dénoncé la violence, les braquages à main armée dans notre pays. Honnêtement, la situation est-elle pire qu'avant? Au moment où des étudiants pendaient et violaient leurs camarades sur le campus en toute impunité, il y eut, à l'avènement du pouvoir actuel, le phénomène des microbes. Mais qui en parle encore?
L'Église dit encore que l'appel à la paix et à la réconciliation n'a jamais été sincère, parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. Je me demande sérieusement à partir de quoi l'Église juge de la non-sincérité de l'appel à la paix et à la réconciliation. Et lorsqu'elle parle de ceux qui se promènent en gilet anti-balles, je suppose qu'elle utilise une métaphore. Mais j'avoue ne pas la comprendre. Le mécréant que je suis n'est pas très doué dans l'art de la parabole. De même que je ne comprends pas l'Église lorsqu'elle parle des Ivoiriens qui restent toujours divisés. De tout temps, sous toutes les latitudes, les humains ont toujours été divisés par les religions, les idées politiques, les ethnies, les couleurs de peau, le niveau social, etc., etc. Et alors, cette division ne pose problème que lorsqu'un groupe se sert de la situation dominante pour brimer, massacrer ou détruire les autres groupes. Où est-ce que les Ivoiriens ne vivent pas en bonne intelligence, malgré leurs différences? Il est bon de critiquer, mais aussi il est dangereux de vouloir voir des problèmes là où il n'y en a pas du tout. C'est un article de M. Venance Conan, tiré de Fraternité Matin d'hier. C'est un article simple qui ne demande pas beaucoup d'explications. Sujet numéro 4. Oufo voleur, babo braqueur. Ironie du destin. L'histoire, miroir des hommes et de leurs actions, est une éducation dans la possibilité de changer. Cela dit, qu'il nous soit permis de revenir sur cette ironie du destin qui met en lumière les revers de fortune de deux figures politiques majeures de notre pays. Dans une tournure inattendue, Laurent Gbagbo, connu pour avoir mobilisé la jeunesse contre le président Félix Houphouët-Boigny dans les années 1990, se retrouve lui-même aujourd'hui confronté à une situation similaire aujourd'hui. Récemment, à la faveur de sa réclamation à la CEI, Laurent Gbagbo en minuscule 100 000 fois, s'est plaint d'avoir été radié de la liste électorale au motif de son implication dans ce qui est qualifié de braquage de la BCAO. Ironiquement, le président, ou en tout cas celui qui se présente comme le président du PPACI et qui estime avoir un nom propre à léguer en héritage à ses enfants, ressent désormais la frustration de voir son nom associé à une accusation aussi grave. Ce qui rend cette situation encore plus remarquable, c'est que Laurent Gbagbo, en minuscule 200 000 fois, avait autrefois qualifié le président Félix Houphouët-Boigny, fondateur de la nation ivoirienne, de voleur, mobilisant ainsi la jeunesse ivoirienne contre ce dernier. Pourtant, le président Félix Houphouët-Boigny était alors un homme âgé, malade et fatigué. On peut imaginer qu'il ait souffert profondément de voir son nom traîner dans la boue après avoir dédié une grande partie de sa vie à la lutte pour l'indépendance et à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Pourtant, il a continué à servir son pays avec dévouement et persévérance. Ses enfants ont eux aussi dû éprouver une grande douleur en voyant leur père ainsi diffamé. Et pourtant, le président Félix Houphouët-Boigny est à la réputation d'être le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Il a joué un rôle crucial dans l'obtention de l'indépendance du pays vis-à-vis de la France en 1960. Pendant ses 33 années de règne, il a cherché à promouvoir la réconciliation et l'unité nationale, faisant de la Côte d'Ivoire un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo en minuscule 300 000 fois goûte donc à l'amertume qu'il a lui-même infligée à Félix Houphouët-Boigny. Ce qui est encore plus ironique, c'est que cette accusation de braquage survient sous le règne de l'oufotisme convaincu.
représenté par Alassane Ouattara, qui était venu au secours du président Félix Houphouët-Boigny lorsque l'économie ivoirienne, comme tant d'autres dans le monde, traversait une période difficile. Cette tournure des événements rappelle combien de fois il est important de faire preuve de retenue et de prudence dans nos jugements politiques. Elle nous rappelle que la politique est un jeu complexe où les rôles peuvent se renverser et où les accusations d'hier peuvent se retourner contre nous aujourd'hui. Pensons-y et soyons conscients des conséquences de nos paroles et de nos actions. C'est par ces articles-là que nous terminons la présentation. Et ça a été tiré d'Opéra News. Et cela nous fait passer directement, vous savez que nous sommes mercredi, et cela nous fait passer à une très belle lecture de notre mère Nefertiti Nefertiti, puisque c'est le mercredi de nos mères. Et donc, après cette lecture, ceux qui veulent prendre la parole, on va pouvoir vous l'accorder. Bonsoir, l'éclaireur. Bonsoir à toute ta classe, au Chao et au Mao. Alors, comme tous les mercredis, nous avons pour habitude de magnifier la femme, ou sinon tout simplement donner notre voix, nous les femmes de la classe des éclaireurs pro-vérité. Alors aujourd'hui, si vous me permettez, je vais commencer. Mon test a pour titre les mères, c'est-à-dire les Mao de la classe éclaireurs pro-vérité. L'histoire du monde est émaillée de l'empreinte de la femme. Celle de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas en reste. Pour preuve, l'historique et héroïque, la marche des femmes sur Grand Bassam du 22 au 24 décembre 1949. La femme est cet être à qui Dieu a confié le pouvoir de procréer et bien d'autres choses que seule elle en a la compétence. L'insensé ignore qu'en chaque femme demeure sa propre mère. Il oublie qu'il n'est pas dans son intérêt de franchir la ligne rouge tracée par la femme. Nous, les femmes de la classe éclaireur pour vérité, venons crier notre ras-le-bol à un homme en soutane. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Et Marcelin vient de nous en démontrer la véracité de cet adage. Sinon, comment comprendre qu'un prélat se permette de tirer ainsi à boulet rouge sur le pouvoir politique régulièrement établi et affublé de tous les travers de ceux dont il se montre solidaire? Sans vouloir tourner le couteau dans la plaie, notre éducation de femme conciliante, venons dire à Marcelin que son statut d'homme de Dieu exige de lui de présenter ses excuses au peuple ivoirien qui ne s'est pas reconnu dans ses délires. À défaut de présenter ses excuses, que ce soit la dernière fois qu'il se livre à une telle diatribe qui plus est, demeure infondée. Nous tenons à lui signifier que de tels propos de sa bouche contribuent à écorner davantage l'image d'une Église catholique durement impliquée dans la pédophilie. Que leur Seigneur Marcelin Machin ne se hasarde plus sur ce terrain que seule la cupidité et la politique justifient. Nous savons qu'il a servi de balayette de chiottes. Il a battu le record de celui que nous appelons sur notre plateforme Éclaireur pour vérité, l'idiot du village. C'est Marcelin qui a été désigné pour ce rôle et tel un idiot, il s'est engouffré dans le WC. La prochaine fois, nous, les Mao de la classe éclaireur pour vérité, l'obligerons à passer son patronyme déjà crasseux au lavoir de Monsieur le Comte de la Buanderie. À bon attendeur, salut. Merci, j'en ai fini. Merci l'éclaireur. Un test coécrit par Madame Blanc et moi-même, Nefertiti. Merci à tous, bonne soirée, on reste à l'écoute et merci pour tout le monde. C'est nous qui disons merci à nos mères et vous venez d'entendre
nos mamans qui viennent de dire que ce sera la dernière fois pour ce prélat pédéraste et toute sa compagnie de mécréants en soutane qui se mettent devant l'église catholique ivoirienne pour essayer d'abrutir les mœurs en Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui sortent des mots M-O-T-S, mais en réalité qui ne font que s'aimer des mots M-A-U-X. Des prêcheurs de vice. Parce que ce que tu dis, quand toi-même tu pratiques le contraire, il n'y a pas une meilleure définition de l'hypocrisie. Je crois que les Ivoiriens souffrent autant, mais on n'a jamais vu l'Église catholique faire un don aux catholiques, malgré le contexte difficile qu'il a dépeint dans leur monde parallèle. Mais on attend aussi que l'Église catholique fasse amende honorable en disant, comme les familles souffrent, voilà, on offre au moins quelque chose aux familles. Jamais. Mais chaque mois, ils sont prêts à récolter les dîmes pour eux-mêmes bien vivre. Et non seulement ils prennent ta dîme, mais ils te prennent ta femme, ta fille et ton petit garçon. Et tout ça, ils le disent que c'est au nom de leur dieu païen, leur dieu romain. Sinon, ce n'est pas le vrai dieu qu'ils adorent. C'est assez triste, mais nos mères viennent de vous le dire. Elles seules ont le secret de beaucoup de choses. Que si tu t'amuses à ressortir encore là, ta bouche là, elles vont coudre ça avec aiguille. Voilà un vilain garçon qui se retrouve devant une certaine église et qui veut avoir de l'importance parce qu'on lui a signé quelques chèques. Mais l'argent là, tu as pris. Mais l'argent là, toi-même là, aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise dans ton corps. L'argent là est devenu amer parce qu'on est dans ton corps. Comme virus de sida, des danseuses de funérailles. Et donc, tous ceux qui veulent s'amuser avec l'intégrité, la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, si vous le faites en parole, si vous parlez une fois, nous, on va parler 100 fois. Si vous prenez une arme pour agresser un Ivoirien, on vous neutralise violemment. Les forces de défense et de sécurité sont résolues pour jouer leur rôle pleinement dans cette république-là. Alassane Ouattara vous l'a dit, et ça sera comme ça, on ne va pas tolérer le désordre. Si par le passé, Bédier et Babo, par incompétence, vous faisaient plaisir pour accéder à tous vos désirata et tous vos petits plaisirs, et que vous-même, vous vous permettez d'aller payer des croissants en France pour revenir là, Alassane Ouattara là, c'est que vous aimez le plus l'argent là. Lui là, à l'école de ça, lui ne donne pas ça aussi facilement comme ça. Lui n'est pas aussi médiocre pour cacher sa médiocrité derrière des religieux en manque d'inspiration. De tous les sens. Même le Satan même a honte de vous. Les coutons et autres là. Les leaders de l'église catholique en Côte d'Ivoire là. Même le Satan même. Le Satan même fait moins peur que vous. Parce que le Satan lui au moins n'est pas hypocrite. Lui il joue son rôle et il assume son rôle. Allez demander sincèrement pardon à ce que Gay Robert et à ses parents. Sinon, si ce que vous avez fait à Gay Robert et à ses parents, c'est une bonne chose là. Je souhaite que Dieu vous fasse finir de la même manière. Ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Si ce que vous avez fait à Gay Robert, là, c'était une bonne chose. Vous l'avez trahi et vous l'avez livré à la mort. Même Judas Iscariote, quand il a trahi le Christ, là, il n'a pas eu le courage de prendre l'argent là. Il allait se pendre. Et l'argent, là, les 13 pièces d'or étaient déposées. Donc Judas Iscariote est mieux que toi. Judas Iscariote est mieux que l'évêque de Dalois. Judas Iscariote est mieux. Même les pharisiens sont mieux que vous. Même les philistins sont mieux que vous. Et même le Satan même est mieux que vous. Parce qu'encore, on dit qu'en tout ennemi, la volonté d'affirmation doit être respectée. Au moins le Satan, lui, s'affirme. Et on le respecte pour ce qu'il est. Mais vous, indigne au point de ne même pas être capable d'assumer vos actes. Mais laissez votre soutane devenir des militants. On aimerait vous voir sur le terrain politique et voir vos capacités politiques et intellectuelles. Mais par incompétence et surtout par médiocrité, vous vous mettez dans des soutanes qui sont sataniques pour sortir un message
qui est fortement aux antipodes même de ce que vous faites la nuit derrière les salles de confession. Et donc, on ne va pas vous laisser. Bientôt, le Mali va finir, je l'ai dit. On va s'asseoir sur votre dos jusqu'à vous allez dire, mais ceux-là, vraiment, il y a quelque chose d'autre derrière d'enfer là. Vous avez parlé une fois, mais nous, on va parler mille fois. Ça, il faudrait que ce soit mis en tête. On ne va pas pardonner. Si c'était les musulmans qui avaient fait ça, imaginez ça. Si c'était les musulmans qui avaient parlé comme ça. Hein, les musulmans, nous vous disons merci. Parce qu'on peut tout dire des musulmans, mais les musulmans se respectent sur la scène. Ils ne sont pas dans les conneries. Ils ne sont pas là pour soutenir un politicien. Et si tu vois un musulman qui soutient un politicien comme les Diaby Koweït et autres là, ou bien comme celui qui est décédé aussi, là, un certain Koné là, les musulmans se désolidarisent de la personne, ou bien les Aguib et autres là, qui est le truc de Soro Guillaume là. Tu vois, les musulmans se désolidarisent à la seconde. Non, 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 on n'est pas dans ça. Ça là, c'est qu'elle avait été, on va dire. Vous au moins là, vous n'êtes pas comme eux. Nous, nos parents, qu'ils accusent d'être des animistes là, on n'a jamais vu les animistes venir diviser les Ivoiriens. Mais le seul nom de la religion qui a divisé les Ivoiriens, c'est l'Église catholique ivoirienne. Et donc, ça veut dire que les animistes sont mieux que vous. Chers catholiques, conseillez vos leaders, dites-leur qu'aujourd'hui, là, que ce que les mécréants n'ont pas fait, ce que les animistes n'ont pas fait, ce que le Satan lui-même n'a pas fait, ce que les musulmans n'ont pas fait, c'est ça aujourd'hui l'Église catholique est en train de faire. Mais si, peut-être vous n'avez pas le courage de leur dire, là. Nous, on va le leur dire en face. Et surtout quand ils sortent pour venir être militants, on va leur dire qu'on est là. Quand tu es sorti pour parler là, c'est de notre vie que vous avez parlé. En parlant, vous voulez mettre la vie de nos parents en danger. Donc, au nom de ce droit-là, on sort pour venir vous dire, on ne va pas vous laisser mettre la vie de nos parents en danger. Ça doit être clair dans vos têtes. Et si on avait du respect pour vous, c'était au nom de l'équilibre social. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une volonté de puissance, comme disait Hegel, et que vous faites peur à quelqu'un. Personne n'a peur de vous. Et on vous dit, si vous pensez que quelqu'un a peur de vous, mais essayez d'aller plus profondément dans vos actes, vous allez voir aussi la réaction en face. Le discours et le temps des discours policiers, là, ça, on met ça derrière nous. Et on va voir qui est qui. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Il est déjà 10h26 à New York. Supposons qu'il est 10h30. Et donc, tous ceux qui veulent appeler jusqu'à 10h35, c'est-à-dire l'heure où vous vous trouvez là, jusqu'à la 35e minute, signalez-vous pour qu'on ait une ligne de conduite et pour qu'on sache comment on va diviser le temps. Présentez-vous dans ce temps-là, ce qui fait pratiquement 8 minutes. On va pouvoir vous inscrire dans le temps. Et après ce temps-là, on ne prendra plus personne, puisqu'il ne nous reste plus qu'en vérité 1h30 pour finir l'émission. Donc, tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient prendre la parole, vous pouvez déjà vous signaler. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va vous donner la parole et on va pouvoir progresser. Et donc, s'il n'y a personne, dans les 30 secondes à suivre, on va devoir bloquer pour passer à autre chose, ce qui va nous être très utile en temps pour qu'on puisse progresser rapidement. Et donc, comme je l'ai dit, en tout cas, pour nous, on a fini notre présentation et on ne peut pas se permettre d'attendre. Et donc, s'il n'y a personne, comme je l'ai dit, à la 29e minute, on va donc fermer l'émission pour pouvoir progresser rapidement. Nous disons donc merci à tous, à tous ceux qui accordent de l'intérêt à nos émissions. Et c'est toujours un véritable plaisir pour nous. Bonsoir, cher frère. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Donc, je vous laisse la parole. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Okay. Donc, vous avez la parole. Je vais aborder deux sujets. Le premier sujet, il concerne les dignitaires de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Et puis le deuxième sujet, il concerne
la sécurité routière, où nous allons parler d'un seul aspect aujourd'hui. Alors, le premier sujet hier, nous avons abordé ici la question des évêques. Nous avons eu à dire ici hier que c'est Agré Bernard qui avait été le garant du pacte entre Gbagbo et Guy Robert. Et vous avez constaté, et tout le monde a pu constater après, que lorsque la crise a débuté en septembre 2002, c'est à la cathédrale que Guy Robert avait trouvé refuge. Mais curieusement, il n'avait pas pu être protégé par ses dignitaires religieux. Donc, qu'est-ce qui a pu bien se passer? L'interférence incessante des guides religieux catholiques dans la politique ivoirienne, c'est un danger. Parce qu'ils le font avec parti pris. Et la plupart du temps, ils ne cherchent qu'à protéger leurs intérêts. Aujourd'hui, si le refond surpasse, nous pensons qu'il faut trouver une solution tout de suite pour les stopper. Si rien n'est fait pour les stopper, vous allez vous rendre compte que dans les années à venir, la situation risque d'être dramatique. Parce que ce n'est pas le seul pays. Au Rwanda, pour ce que nous savons, lorsqu'il y avait le génocide, il nous a été dit que là-bas, il y a des guides religieux chrétiens qui y étaient pour quelque chose également. Au Congo, nous voyons aussi leur interférence incessante dans la politique. En Côte d'Ivoire, nous avons vu ce qu'ils ont eu à faire. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir un sursaut d'orgueil pour que les uns et les autres les stoppent. Si rien n'est fait pour les stopper, moi je pense que ce n'est pas bon. Quelle est la solution qu'il faut envisager? Est-ce que c'est la justice qu'il faut enclencher ou bien est-ce que c'est une action citoyenne? Pour l'heure, nous continuons de réfléchir. Mais sur la question, nous disons qu'il faut faire attention. Parce que si rien n'est fait pour stopper ces gens-là, ce n'est pas du tout bien. On ne peut pas accepter que des gens qui se disent des guides religieux prennent parti de façon flagrante, comme ça. Le guide religieux, il a eu à parler de certains problèmes. Il n'a fait que parler des problèmes. Oui, mais si tu es vraiment un guide religieux qui est impartial, qu'est-ce que tu fais? Dans un pays où on a vu que le budget est passé d'un peu plus de 2500 milliards de francs CFA en 2010 pour atteindre aujourd'hui plus de 11 000 milliards de nos francs CFA en 2023. Un guide religieux sérieux comprendrait très facilement qu'il y a eu une croissance économique exponentielle et que de ce fait-là, il y a de la richesse qui s'est créée, il y a beaucoup d'emplois qui se sont créés et il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus. Si vous parlez des problèmes, mais il faut aussi parler des solutions, il faut aussi parler de ce qui a été fait. La question de la prostitution dont il a parlé. La prostitution, c'est un phénomène qu'il faut dénoncer, cela est vrai. Mais la prostitution, ça ne date pas de maintenant. Pour ceux qui savent, c'est le plus vieux métier du monde. Dans tous les grands pays du monde, il y a la prostitution. Nous ne sommes pas des gens qui encouragent la prostitution. Mais il y a des gens, même aujourd'hui, quand vous les voyez, qui se prostituent. Mais quand vous leur posez la question, pourquoi vous le faites, ils ne sauront jamais vous donner des raisons valables. Il y a des gens qui font la prostitution, mais qui ne donnent jamais des raisons valables. Donc ça aussi, c'est une question d'éducation. C'est une question qu'il faut aborder dans les familles. Il a parlé de ça. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que lui-même, en tant que guide religieux, il fait pour résoudre ce problème? Voilà. Il ne peut pas venir prendre ce problème-là pour jeter les discrédits sur la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Chine, un peu partout dans le monde, dans les plus grands pays, il y a la prostitution, malheureusement. Mais c'est la faute à qui? Là-bas aussi, dans les pays les plus développés, ou même en Suisse, même on demande à une prostituée de se déclarer pour payer les impôts. En Suisse, où il y a la prostitution,
où les prostituées payent les impôts. Là-bas, c'est encore le gouvernement suisse qui encourage la prostitution. C'est eux qui disent les gens. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourtant, c'est des pays développés. Même en Italie, les impôts. Ou à Rome, il y a les saints. En Italie, la prostitution est là-bas à coco. Il ne peut pas prendre ça pour venir, comme on appelle même, peine en noir, le gouvernement, il parie. C'est un faux procès. Donc moi, je pense qu'il a d'autres intentions. Ses intentions sont ailleurs. Il parle de d'autres problèmes. Mais ce que nous avons eu à dire ici, il y a eu croissance. Il y a eu construction de beaucoup de routes. Il y a eu électrification. Il y a eu construction des châteaux d'eau. Il y a eu construction d'universités, collèges, lycées, centres de santé, infirmeries, dispensaires, si vous voulez. Sûr, il y en a eu beaucoup. L'action sociale, il y a beaucoup qui s'est fait. Donc, si tout s'est bien fait là, on n'a pas pu parler de ça. Et puis, on vient parler que de certains problèmes qui ne sont pas bons. C'est ça qu'il faut voir ailleurs. Il faut se dire que ces intentions sont orientées ailleurs. Voilà. Même l'aveugle aujourd'hui sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne voit pas sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le pays est très avancé. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays les plus développés d'Afrique aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas, du jour au lendemain, prendre quelques problèmes pour raconter sa vie. Donc, sur la question, nous pensons qu'il faut une mobilisation générale. Parce que les problèmes qu'ils prennent pour distraire les gens, nous ne pouvons pas accepter ces problèmes. Dans tous les pays du monde, même quand vous allez voir que c'est construit, en Europe, quand vous rentrez, vous voyez, c'est construit, c'est beau, ça brille, c'est joli, c'est très bon. Mais après, là-bas, il y a des mendiants, curieusement. Une fois, je suis allé me promener à Genève, et à ma grande surprise, j'ai trouvé des mendiants là-bas. Il y a des mendiants, vous les trouvez. Pourtant, c'est là-bas, il y a beaucoup d'argent, d'après les gens. En Europe, c'est vous trouvez des sans-abri, vous trouvez des mendiants. Vous trouvez des chômeurs, vous trouvez des prostituées, vous trouvez des gens qui souffrent. Donc le monde même est comme ça, hein, pour dire que rien n'est jamais parfait. Mais on ne peut pas venir dire aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu, passer de 2500 milliards de budget à plus de 11 000 milliards de budget et dire que tout va mal. Non, il y a un problème. Si tout va mal, c'est dire que c'est vous-même qui êtes le problème. C'est qu'aujourd'hui même, le problème se trouve du côté de cet évêque-là et tous ceux qui le soutiennent. Sinon, pour le moment, c'est que nous savons, en Côte d'Ivoire, les choses avancent bien. Les problèmes que nous observons, je l'ai dit, il y a des problèmes un peu partout. Et ces problèmes-là, nous devons tous travailler ensemble à les résoudre. Il n'y a jamais rien de parfait sur cette terre. La perfection n'existe pas. Pour aller dire que vous allez voir un monde où tout est construit, ça brille bien, tout le monde est riche, tout le monde se suffit, tout le monde vit dans l'abondance, tout le monde est comme on appelle, dans l'opulence. Ce monde-là, il n'existe pas sur terre. Ça, c'est le paradis qui existe certainement ailleurs, mais pas sur cette terre des autres. Parce qu'ici, c'est un monde d'épreuves. Donc ces évêques-là, il faut qu'ils prennent conscience. S'ils ne prennent pas conscience, à un moment donné, les gens seront amenés à se révolter et contre eux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la laïcité de l'État, c'est un principe qui est autorisé par la Constitution. Personne ne peut se lever du jour au lendemain pour venir instrumentaliser une religion contre un gouvernement ou bien instrumentaliser une religion contre d'autres religions ou contre d'autres communautés. Ça, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout possible. Il faut qu'ils arrêtent. Et je pense que, logiquement, au sein du clergé ivoirien, il devait avoir des voix discordantes pour dénoncer ce qui s'est passé. On ne peut pas continuer à accepter ce genre de situation. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire en 2002. Vous ne pouvez pas détruire la Côte d'Ivoire encore plus de 20 ans après et puis les gens vont observer sans rien dire. Ce n'est pas possible. Tout doit être mis en œuvre pour stopper tout de suite ces évêques-là. Donc, s'ils continuent de voir le mal un peu partout dans le pays, nous allons lui dire que c'est assez simple. Si vous allez aux États-Unis,
au Japon, en Allemagne, en France, un peu partout où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de problèmes là-bas aussi. Voilà. Mais on ne peut pas croire que la Côte d'Ivoire doit être le paradis où tout baigne correctement. Non. Non. Voilà. Donc, sur le premier point, c'est ça. Le deuxième point que je voudrais aborder ici, ça concerne. Allô, allô? Il y a un bruit à côté. Ok, attends. C'est un panel. Allô? Moi, je sors. Éclaireur. Ceux qui sont les panélistes, mettez-vous sur le lumière. Je mets le à mieux ou pas? Vous, ceux qui sont sur le panel, quand vous n'avez pas la parole, mettez sur le lumière. Bon, si c'est un panel, alors, si c'est un panel, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre et puis à le deuxième sujet, je vais l'aborder après. Non, les panélistes, par respect pour nous-mêmes et pour tout le monde, dès que vous venez sur le panel, la première réaction, mettez-vous en mode muet jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Allô? Oui, allô? Bon, comme je vais laisser la parole à un autre et puis mettez-vous. Mettez-vous sur muet, mettez-vous sur muet. Si vous n'avez pas la parole, mettez-vous sur muet. Ok, c'est parce que j'ai pas beaucoup de batterie, moi, franchement. Ok, donc peut-être que vous pouvez vous retirer du panel. Éclaireur. Oui, donnez la parole à quelqu'un d'autre. Non, continuez. Ah, d'accord. Ok, donc, le deuxième sujet. Ça concerne l'arrêt ou les stationnements en bordure des routes, ou bien même dans les grandes villes. Parce qu'il faut remarquer que de plus en plus, pour garer quelque part ou bien pour stationner, souvent ce n'est pas aussi facile que ça. Lorsque vous avez une voiture, vous êtes en train de conduire, vous allez dans une commune comme Trècheville, Marcouy, Adjamé, parfois vous ne savez pas où stationner. Ou bien vous faire un arrêt pour pouvoir aller faire vos courses et revenir. Donc parfois c'est un peu compliqué. Et la plupart du temps, il y a des endroits c'est indiqué arrêt ou stationnement interdit. Il y a des endroits c'est le stationnement interdit. Mais par contre, il y en a, c'est pas indiqué. Du coup, c'est lorsque vous garez après, vous vous rendez compte que la police municipale vient, ou bien ceux qui ont les sabots, ils viennent. Ou bien, bon, quand c'est sur une route nationale, c'est le trottoir même qui est trop petit. Vous voyez-il de pouvoir s'arrêter ou bien stationner. Donc sur la question, nous avons demandé à ce que les autorités même puissent s'impliquer. Il va falloir que le ministère de l'entretien routier et de l'équipement, le ministère des transports, les maires et les structures en charge de la gestion de nos routes s'impliquent. Parce que si vous roulez une voiture, vous ne pouvez pas rouler une voiture de façon indéfinie. À un moment donné, vous avez besoin de soit stationner ou bien vous arrêter. Sur les différentes routes nationales, il est important, les routes qui sont en chantier en ce moment, d'élargir les trottoirs. Nous ne pouvons pas accepter des trottoirs où, lorsque vous allez vous arrêter, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur une partie de la chaussée. Ce n'est pas bon, c'est une insécurité routière. Donc, sur cette question, il faut que quelque chose soit fait. Maintenant, en ce qui concerne l'intérieur des villes, où parfois c'est indiqué arrêt et stationnement interdit, ou bien stationnement interdit, là, il n'y a pas de problème parce que c'est indiqué, on voit clairement à travers le panneau. Maintenant, si vous faites du reste, ça c'est un. Mais bien des fois, il y a beaucoup d'endroits, rien n'est indiqué. Et parfois même, vous serrez un peu plus pour ne même pas être sur la chaussée, mais curieusement, on vient vous mettre des sabots. Donc, il faut qu'à Abidjan, dans les districts autonomes, le gouverneur du district autonome, il vraiment regarde cet aspect-là. Il faut que les uns et les autres convoquent les structures en charge des routes et autres pour régler ces différents problèmes. Parce que dans tous les cas, si vous avez une voiture, vous avez toujours besoin de vous arrêter, stationner ou bien garer quelque part pour faire une course. Mais s'il n'y a pas des endroits qui sont indiqués, s'il n'y a pas des endroits qui sont aménagés, c'est compliqué. Donc de plus en plus, il faut aménager beaucoup plus d'endroits dans nos villes
pour pouvoir faciliter l'arrêt ou le stationnement. Sur nos routes nationales, il faut élargir les trottoirs, de sorte que aucun camion ne vienne s'arrêter sur la chaussée pour créer des problèmes. Ou bien même parfois, lorsque un camion est en panne, en ce moment-là, vous voyez, le camion qui est en panne, il n'a pas d'autre choix que de chercher à garer quelque part là où il est tombé en panne. Surtout qu'il y a des pannes majeures qui ne facilitent même pas même la mobilité du véhicule. S'il se trouve qu'il n'y a pas de trottoir même du tout, ou bien le trottoir il est assez petit, le camion il reste sur la chaussée. Bon, le temps de signaler, parfois vous rendez compte que lorsque c'est sur un virage, c'est encore plus dramatique. Sur le virage, plusieurs fois, il y a eu ce genre de cas et ce sont des accidents avec mort d'homme. Il faut qu'à un moment donné, tout le monde tire l'expérience de tout ce qui s'est passé pour pouvoir prendre de bonnes résolutions et avancer. À Abidjan, il y a un sérieux problème déjà. Lorsque vous partez pour une course, parfois c'est très difficile. À Djamé, Trècheville, Marcoury, Yopougon, même à Bobo, c'est très difficile aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, à un moment donné, il faut que tout soit mis en œuvre pour faciliter aussi la sécurité routière à ce niveau. Parce que si rien n'est fait pour aider, c'est compliqué. C'est compliqué. Sur les routes nationales, il faut aussi évaluer la situation et puis faire quelque chose. Mais je l'ai dit, hein, j'ai déjà remarqué, sur la côtière en ce moment, la largeur du trottoir me pose un problème. Sur la section de la nationale A3, partant de Boaké jusqu'à Tassiré-Fekissoudou, il y a encore un problème. Donc, quelque chose doit être fait pour élargir les trottoirs et faciliter les stationnements en cas de nécessité ou faciliter l'arrêt en cas de nécessité. Nous souhaitons cela vivement. Donc, voici ce que je voudrais dire. On demande de donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci bien. Ok. Et donc, on a tous entendu ce que Sundiata a dit. C'était des choses assez simples. Et à nos différents panélistes, nous allons demander. Nous avons ici Eleni Jomo de Ben qui est avec nous. Bonjour, cher Eleni. Eleni Jomo de Ben devrait être avec nous ici sur le panel. Est-ce que vous êtes toujours présent? Allô, cher Eleni Jomo de Ben, vous êtes toujours présent? Je suis présent. Ok. Donc, je vous dis d'abord bonjour. Bon. Et d'habitude, il n'y a pas de sujet spécifique. Chaque jour, chacun peut évoquer les thèmes qui sont de sa convenance. Donc, il n'y a pas de sujet prédéfini. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez évoquer tous les sujets. Oui, oui. Ok, ok. Ben, d'abord, je vais vous dire bonjour à tous, à toutes ces personnes-là qui nous font l'honneur d'être sur ce panel, et à toutes ces personnes épris de paix et de clairvoyance, à toutes ces personnes qui ne parlent que pour la Côte d'Ivoire, même si souvent d'autres sont rudes, mais qu'on sache qu'on est rude parce que nous voulons le développement de notre pays. Et que, par ricochet, ceux qui pensent que c'est autre chose, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, pour écouter ce que c'est que la vérité. Parce que quand tu parles dans quelque chose, c'est parce que tu veux que ça aille bien. Et c'est l'objectif peut-être de votre panel. Et Dieu merci, je crois que les gens commencent à comprendre. Moi en premier de toutes les façons. Alors, je vais déjà rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure l'intervenant. Je ne sais pas si c'est le roi de la forêt. Non, ou le roi du printemps, c'est le roi du printemps? Non, c'est, pas c'est, du tout. C'est Sundiata le conquérant. Ah, Sundiata, ah, franchement. Si c'est pas assez nouveau, ça va me faire rigoler. Mais bien sûr. Je salue. Oui, c'est des personnes qui se donnent des sobriquets grands comme ça, comme tout, mais eux-mêmes, ils ne ressemblent pas à grand chose. Quoi. Vraiment. Malheureusement. Ils ne pèsent pas 3 kilos. Voilà. Le roi du printemps et tout ça. Franchement, je ne sais pas d'où ils sortent ces noms-là. Mais bon, heureusement que Dieu a créé les Koyara et les Koyara ont inventé les Zenoufo. Hein. Mais cher René, avec une telle entrée là, ils ne vont pas vous faire cadeau. Hein. Pardon? J'ai dit, avec une telle entrée fulgurante de votre part, ils ne vous feront pas cadeau.
Ah ben, qu'il continue, de toute façon, je n'ai pas trop de batterie, donc je n'aurai pas le temps de les écouter. Je suis désolé. Ils vont profiter de ça. Bon ben voilà, pour ne pas trop durer, je viens d'écouter ces histoires de parking et tout ça. Là. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui est en train d'émerger. Et je pense que cette histoire n'a pas été bien réfléchie. Pour ma part, hein, je dis bien pour ma part. Parce que nous voyons tous en France ici que les autoroutes, ceci, cela, les gens enlèvent les voitures. Ils ont une fourrière. Ils ont une fourrière. Mais vu que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de décennies, j'ai dit bien de corruption, donc ces histoires ne peuvent pas marcher. Et quand tu vois aussi l'état de nos voitures, on est obligé, je dis bien, on est obligé de subir la loi ou la rigueur de ces voitures-là et de ces personnes-là, soi-disant sociétés indépendantes. Là, ça n'a pas été mieux réfléchi. Ça n'a pas été mieux réfléchi. Parce que moi, je donne un exemple. Tu es en voiture, la voiture elle tombe en panne entre un Zianois et, je ne sais pas, une ville. Il devrait avoir une fourrière là-bas. Mais si on doit prendre la voiture pour l'emmener à Abidjan, et que toi, tu es en partance, ou peut-être même que tu vis à Yamoussoukro, tu es obligé de revenir prendre la voiture à Abidjan et de repartir à Yamoussoukro. En ce moment, ça va peser pour le contribuable. Et moi, franchement, cette vision, il faudrait la revoir. Mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, parce que je ne connais pas les aboutissants et les tenants de ce contrat-là. Je vais parler un tout petit peu de... comment ça s'appelle, là, du contentieux de la révision électorale. Nous étions dessus hier, avant-hier, ma dernière sortie sur le panel, c'était sur ça. Je disais que le président de la CEI, le président Cubière, nous a donné un pourcentage des gens qui doivent venir faire les réclamations. On n'atteint même pas 1%. Et je vois que les gens tergiversent un peu partout. Les gens se lèvent un peu partout, ils rigolent, ils disent tout. Le président de la CEI a fait ci, a fait ça. Mais jusqu'à ce que ça soit là, Gbagbo s'est levé pour partir. Or donc, j'ai dit bien, or donc, si Gbagbo était inscrit sur la liste électorale, personne n'allait venir faire les contentieux. Et après, on aurait dit que l'État, ou du moins le président sortant, ou le parti au pouvoir, a mis tout en œuvre pour qu'il gagne. Mais si vous n'êtes pas allé au contentieux, comment est-ce que vous pouvez aller savoir que le parti peut gagner ou pas? Nous avons vu des élections. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui au pouvoir, a fait un travail de fond. Au départ, peut-être que vous allez me dire le contraire. Nous, nordistes, comme on disait, nous, alassanistes à l'époque, on n'aimait pas aller nous inscrire à aucune liste électorale parce qu'on se disait que les jeux étaient déjà faits. On ne partait pas. Mais l'année où nous-mêmes nous nous sommes décidés de partir, c'est en ce moment que le parti au pouvoir d'alors, la LMP, n'est pas parti s'inscrire. Donc, le président Alassane Ouattara est vu gagnant. Parce que sur la liste électorale, il avait plus d'inscrits que les autres partis. Alors moi, aujourd'hui, je veux sensibiliser, et je dis bien sensibiliser, tous les Ivoiriens, en tout cas en âge de voter, qui se sont déjà inscrits ou pas, d'aller regarder si l'orthographe de leur nom est écrit, d'aller regarder si leur bureau a changé, d'aller regarder si la date de naissance n'est pas la même que celui qu'ils ont sur la carte d'identité. C'est en ce moment seulement, et en ce moment, que nous pourrons aller contester un résultat. Parce que quand tu n'as même pas le droit de voter, ou quand tu arrives au bureau de vote, tout ce qui fait mal, c'est de dire, monsieur, vous ne pouvez pas voter parce que la personne qui est inscrite là, nous n'avons pas sa carte d'identité, même si c'est bien vous. D'où le sens de ce contentieux-là. Et je vais terminer par la visite du président congolais, si vous me permettez, monsieur Éclaireur. Effectivement. Le président congolais est en train de s'inspirer de l'expérience du président Alassane Ouattara. Mais vous oubliez, ou du moins à titre de rappel, le président congolais est au pouvoir depuis le temps d'Oufouette Boigny, hein, je pense, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, si vous voyez le président congolais venir s'abreuver de l'expérience de la Côte d'Ivoire, c'est que celui qui est au pouvoir
est quelqu'un à respecter. Oui, est quelqu'un à respecter. Je n'ai pas dit que tout ce que le président Ouattara a fait est bien. Je n'ai pas dit ça. Mais sur 80, sur 100% de ses actes posés, 95% ont toujours réussi. La partie où peut-être moi je peux dire que le président n'a pas réussi, et je le répète tous les jours, même quand j'ai l'antenne ailleurs, c'est dans l'immobilier et c'est dans les logements sociaux. Et ça, ce n'est même pas la faute du président, c'est la faute de tous les ministres qui sont arrivés, qui n'ont pas pu résoudre le problème. Mais la grande question, est-ce que le président de la République, je dis bien, est-ce que le président de la République les fait asseoir pour leur demander des comptes? Parce que si toutes les choses, tout ce qu'on commet produisent les mêmes effets, quelque part, il faut revoir le système. Est-ce que le président a eu un jour à l'esprit de revoir ce système-là et de voir ce qui ne va pas? Je vais m'arrêter là sur le panel aujourd'hui. Je ne vais pas être long, je n'étais pas prêt pour ce débat. Et permettez, si j'ai offensé certaines personnes, je m'en excuse. C'est juste trois questions que j'ai posées. Non, mais cher René, moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Ouais, parce que vous avez insulté les xénophobes et vous finissez, et à la fin, vous venez polir là. Sinon, si j'insultais, ça veut dire que vous avez peur d'eux en réalité. Non, je ne m'excuse pas pour les avoir insultés, non, pas du tout. Mais je m'excuse parce que ces questions vont peut-être outrer d'autres personnes. Sinon, pour les xénophobes, mon cher, ils sont nos athées, ils sont nos petits moutons, on les tire. Là où on s'arrête, ils s'arrêtent là-bas. Que ce soit, je ne sais pas moi, quelqu'un qui s'est pas appelé le roi de, je ne sais pas, cyclone, le roi du cyclone. Franchement, quelle est cette idée d'aller? Mais ce n'est pas mieux de s'appeler Sorogium que d'aller s'appeler cyclone de, je ne sais pas quoi. En tout cas, lui et moi, on est du même quartier à Bobo. Okay. Et je pense que quand je parle, il sait, et que je lui fais vraiment un clin d'œil. Et surtout, beaucoup. Tous les panélistes, hein, je dis bien tous les panélistes, hein. C'est vrai que je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Je comprends l'amertume des uns et des autres. Je comprends tout ce que les autres ont comme grief. Parce que je vais encore rebondir sur ça. Quand le président a dit, et j'ai entendu Cyclone dire que les gens ne sont pas empathiques. Mais oui, ils ne sont pas empathiques et ils ne peuvent pas être empathiques. Parce qu'ils sont tous autour là pour pouvoir dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non! Quand vous dites c'est moi, c'est moi, c'est moi, il faudrait que vous sachiez qu'avant d'être vous, il y a eu des gens pour vous propulser. C'est pourquoi à chaque fois, je dis bien, je dis merci au président, au ministre d'État Adjumani. Je lui dis merci. C'est le monsieur qui ne parle que de son Gontougo et des habitants du Gontougo. Et il lutte pour le Gontougo. Mais Adjumani mène les gens du RHDP du Gontougo à l'aise. Il les met tellement à l'aise que ce monsieur-là ne peut pas convoquer une réunion à 1h du matin, la salle ne sera pas pleine. Ça, je vous le dis. Et c'est ce que le président a demandé un peu partout. Je remercie aussi, dans ce cas-là, la ministre de la fonction publique, Anne Loto. Les seules personnes qui ne font pas l'unanimité dans ça, je suis désolé, c'est mes frères du Nord, malheureusement. Malheureusement, c'est pourquoi à chaque fois, quand il y a des désignations au niveau des candidatures, tout le monde n'est pas d'accord. Parce qu'on se dit, le monsieur, il ne vient pas nous voir. Mais on a comme c'est les élections, il va lever son bâton de pèlerin, il vient nous voir. Mais et si tu avais commis cet acte-là avant, est-ce qu'on serait dans cette polémique-là? Non, on ne serait pas dans cette polémique. Pas du tout. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. On ne vient au pays que quand il y a des élections. Ou soit quand on ne vient pas, on envoie toujours des délégations. Mais c'est quand la tête n'est pas là que le genou porte le chapeau. Mais si le genou doit porter le chapeau malgré que la tête soit là, comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse confiance? Moi, je pense que nos décideurs vont comprendre. Le président Ouattara a tout donné au Nord. Et généralement, moi, je suis de Séguéla. Le président Ouattara a tout donné à Séguéla. Tout. Quand je dis tout, Séguéla même répond tout. La première mandature du président de la République, il a pris l'armée, il l'a donné à Séguéla. Le général Bakayoko venait de Badin.
Il a pris le parti, il a donné à Séguéla, Amadou Soumaro, paix à son âme. Il a pris le ministère de l'Intérieur, il a donné à Abed Bakayoko, paix à son âme. Il a pris encore, même le sous-chef d'État, le comte était de Séguéla, à savoir le général Soumaro Gaoussou, qui était de Séguéla. Il a tout pris, il nous a donné. Il a pris. Comment est-ce que nous n'avons pas pu nous-mêmes nous aider dans le développement? C'est nos malentendus entre nous. C'est nos malentendus. On va dire encore que oui, les Sénégalais, mais non, ils ont pu user de ce qu'on leur a donné. Amadou Gompé, à son âme, il était président du PPU ou gérant du PPU. Mais aujourd'hui, ce qu'il a mis à Korogo, quand il est décédé, il est parti avec. Est-ce qu'il est parti avec? Tout le monde dit aujourd'hui que Korogo même est plus joli que Yamoussoukro. Même si, disons, il a détourné, il a fait quoi? Mais il l'a mis dans un développement. Il l'a mis dans un développement. Qu'est-ce qui empêche les autres régions de faire pareil? C'est ça. Les mêmes gens qui viennent, les mêmes gens ne veulent pas partir. Quand toi, on te met à un poste, tu es là, 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 tu es là. Excuse-moi, c'est le mieux. Si je prends le jargon ivoirien. Tu es là jusqu'à ce qu'on dise que tu as volé. Mais au moment où tu voles là, il faut faire quelque chose. Au moins, quand on t'attrape, tu dis, ah, j'ai construit ça, ça vous sert aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment éclaireur. C'est là que je voudrais m'arrêter parce que si je continue, ça m'écœure en fait pour ma région. Ça m'écœure. Effectivement. Ça m'écœure. Et aujourd'hui, le président Ouattara, avec nos mésententes qui sont là, on a donné un candidat. Non, les gens ne veulent pas. Il y a des velléités de candidature. Mais une fois le président sait ça, il va savoir que nous ne nous entendons pas. Ne disons pas que le mur, quand il est fissuré, l'araignée trouve une place pour passer. Il faudrait que nous arrêtons de fissurer nos murs. Disons à Alassane Ouattara que nous t'avons aimé, nous t'avons tout donné. Tu nous as tout remis. C'est nous-mêmes, on n'a pas pu. On dit une faute reconnue et à moitié pardonnée. Vraiment, un peuple de Séguéla. Restons derrière ce que le président Ouattara nous a montré. Ce que le président Ouattara nous a désigné. Restons derrière eux. Et continuons le développement de Séguéla. Vive Séguéla avec Boaké Fofana, excuse-moi. Et vive Séguéla avec la commune pour le docteur Mbaya Maferiwa. Merci. Ok. C'est nous qui vous disons merci, cher René, d'avoir parlé de plusieurs sujets à la fois. Surtout, l'invitation faite aux uns aux autres de venir vérifier leur nom sur la liste électorale. C'est vraiment très important. Et pour le faire, les gens m'ont dit, mais je fais comment? Je dois aller à la CEI? Non. Regarde, le direct qu'on est en train de faire là, on a mis le lien. Il faut taper seulement sur le lien là. Tu mets ton numéro d'électeur. Là, quand tu allais t'inscrire le papier qu'on t'a donné là, tu mets le numéro là, tu vas voir. Si tu ne vois pas là, il y a une autre manière de faire. La deuxième manière là, tu écris ton nom de famille. Après, tu mets ton prénom. C'est-à-dire, nom qu'on te donne là, nom qu'on prend pour t'appeler au quartier là. Nom de famille là, ça c'est le nom de votre famille, Zoku. Zoku, notre nom de famille là. C'est ça que tu dois mettre. Maintenant, toi-même ton prénom Zoku là, tu mets ça dessus. Et puis maintenant, le jour où tu es né là, tu écris ça. Le mois là, tu mets ça en numéro et puis l'année là. Quand tu vas cliquer, lancer la recherche là, tu vas voir tout en même temps. Si tu es sur la liste là, tu vas voir. Tu vas voir sur le nom de ta maman. Et puis on va te dire, bon, c'est toi, ou mais c'est pas toi, ou mais il y a erreur. Si tu vois il y a erreur là, il faut aller à la CEI. Il ne faut pas écouter les escrocs politiques qui sont là en train de mentir aux gens. Ils ont crié, crié. Il y a 2 millions de personnes. La CEI là, on avait dit le 10, ils ont mis ça jusqu'au 15, jusqu'à demain. Au lieu de venir déposer devant tout le monde là, eux disent qu'ils ont la liste et qu'il y a des gens qui ont été frauduleusement mis sur la liste. Mais ils n'ont pas montré à quelqu'un. C'est eux seuls qui ont la liste, c'est eux seuls qui voient la liste. Mais ils ne veulent pas aussi donner à quelqu'un. Ils vont attendre jusqu'à demain va passer. Et donc, c'est pour vous dire que ce ne sont pas des personnes sérieuses. Prenons nos vies au sérieux, c'est vraiment très important. L'aîné Djomo de Beng a parlé d'une situation assez triste. Quand on voit aujourd'hui, en tout cas, on peut tout dire, mais le président Ouattara n'est pas en début de son mandat. Dans la vie, là, toute chose, dès qu'elle commence, là, elle va vers sa fin. Le président Ouattara, là, il est en train d'aller vers la fin de sa vie. Il est en train d'aller vers la fin aussi de sa gestion politique de la Côte d'Ivoire, même si on va lui accorder un millième mandat. Ce que je veux dire simplement, là, quand lui constate aujourd'hui que nous, ces militants, là, on est divisés,
on n'aime pas telle personne. Moi, je n'aime pas la tête de telle personne. Telle personne n'est pas venue nous voir. Quelque part, ça le rend triste. En tant qu'un père, quand il s'assoit, je ne crois pas qu'un père puisse être heureux de voir ses enfants divisés. Quelle que soit la justesse des raisons que les uns et les autres donneraient. Et c'est pourquoi nous avions souhaité que le directoire soit un centre d'arbitrage impartial. Pour dire, voilà, si on ne s'entend pas, vous, la population, vous voulez qu'on détermine comment pour qu'on s'entende. Voilà la question que le directoire devait poser là où il y avait des problèmes. Vous-même, là, vous avez quelle solution? Si leur solution n'était pas bonne, on dit vraiment, votre solution, là, ce n'est pas bien. Pour vous, ici, là, ce qui est bien, là, on va faire vote anticipé ou même vote primaire. Dans d'autres zones, si les gens peuvent s'asseoir, discuter, puis trouver un terrain d'entente, voilà comment le directoire devrait agir. Et le directoire n'a pas fait ça. C'est ce qui a créé les candidats indépendants. Et donc, à l'avenir, on espère bien que les gens vont pouvoir se surpasser et créer cette unité-là et cette cohésion autour du président de la République. Il en a besoin. Et en toute sincérité, si Alassane Ouattara doit nous commander nous, notre union autour de lui, ce n'est pas un bon signe pour nous-mêmes, quoi. Si Alassane Ouattara doit crier derrière nous pour nous dire « Eh, mes enfants, mettez-vous ensemble », ce n'est pas un bon signe pour nous. C'est malédiction. Vous, les gens du RH, moi, je vous dis ça, hein, c'est malédiction. Si à la fin de votre vie, votre papa qui a construit tout pour vous, il vous a mis à l'école, il vous a aidé à devenir des hommes, au moment où lui doit s'asseoir pour regarder ce que mes enfants peuvent faire ensemble, là, ce sont ces enfants-là qui viennent se diviser. Les cadres chient sur les militants. Les militants sont très frustrés. Maintenant, les rares militants qui sont là, qui reçoivent quelques prébendes, eux font le jeu de l'escroquerie, de la malhonnêteté. Mais c'est comme ça qu'on va perdre le pouvoir. Nous, là, on ne cherche pas à avoir milliards en pouvoir, là. On ne cherche pas à avoir... La paix qui est déjà là, là, ça sécurise le peu de bien qu'on a, si on en a. Et ça sécurise la vie de nos parents. Voilà les bénéfices que nous retirons de ce pouvoir-là. Et puis le respect qui est fait à l'homme ivoirien. Aujourd'hui, l'ivoirien est fier d'être ivoirien, est fier d'être africain, parce que parmi les Africains, aujourd'hui, l'ivoirien peut lever la tête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée à cause du leadership du président Ouattara. Mais cette dignité-là, elle est suffisante. Tout le monde ne pourra pas être milliardaire. Tout le monde ne pourra pas être nommé. Tout le monde ne pourra pas être satisfait comme il le conçoit. Mais tout le monde au moins est satisfait par la paix, par aujourd'hui la gestion réelle qui est là. Si le président a demandé d'aller vers les militants, ça coûte combien d'aller vers un militant? Moi-même là, quelqu'un même tu veux me donner l'argent là, je vais te dire frère, il faut laisser. Parce que si tu veux, faut me donner soit l'argent qui va changer ma vie, et puis je n'aurai plus besoin de toi, donc là donne-moi un boulot, ou bien, en tout cas si c'est l'argent que tu veux donner là, faut envoyer beaucoup de mallettes. Là, au moins, là, je ne vais plus te demander. Or, eux ne sont pas prêts à te donner ce qui va toi t'arranger dans ta vie parce qu'ils veulent t'utiliser. Donc, prendre les prébendes là, ça ne va jamais vous arranger. Ceux qui viennent vous blaguer, vous donnent des petits prébendes, dites-leur là, arrangez notre vie, donnez-nous du boulot ou bien là, comme tu veux me donner de l'argent là, il faut m'envoyer au moins peut-être un milliard comme ça. Là, comme ça là, je n'aurai plus besoin de toi. La personne qui te donne les 100 000, les 200 000, les 1 million, il va dire non, c'est bon. Parce qu'en réalité, là, ce n'était pas de l'argent qu'il te donnait pour que tu puisses évoluer sans avoir besoin de lui. Or, ce n'était pas ça l'objectif du président Ouattara. En réalité, cher cadre, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin de la considération. Mais ça, je ne le dis pas. Mais il y a certains cadres-là qui décomplexent leur relation avec les gens. Moi, je le dis clairement. Le ministre de la Défense, c'est quelqu'un, chaque moment que tu lui écris, il te répond. Le ministre actuel de la Défense, là, celui qui a toutes les armes, là, tu fais là, il va tirer dans ton dos. Là. À chaque moment que tu lui écris, là, l'aîné, même s'il n'est pas là après, là, il va te répondre. Ça, là, tu vas dire quoi? Tu vas aller dire qu'il est méchant. L'aspect, même chose. Quand il est à Abidjan, là, quand, même si tu l'appelles à minuit, il te dit, démon, se retrouve à la présidence là-bas. Il va t'écouter qui que tu sois. Claude Saï, même chose. En tout cas, c'est ce que je connais que j'ai dit. Je ne connais pas tout le monde. Et ce que je ne connais pas là, je ne peux pas parler d'eux. Mais ce que tu connais là, c'est de ça que tu peux parler. Mais quand quelqu'un fait ça là, est-ce que toi-même tu es obligé que la personne te dise, bon, il faut aider le parti? C'est des exemples que je donne, sinon il y en a légion. C'est de ça qu'on a besoin, la considération là. Moi, petit militant, je peux me lever à la présidence
Et puis j'ai dit au quartier, hé, hey, je m'en vais à la présidence, attendez, je vais revenir. Et puis la vieille veste que j'avais payée à 1000 ans, là, je porte ça au quartier, on dit là, là, la présidence est revenue. Est-ce que vous savez fierté que ça fait dans nous, au quartier là-bas? Est-ce que vous savez fierté que ça fait dans nous, au quartier là-bas? Parce que tous nos opposants politiques, ça, c'est, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Voilà des petites choses comme ça, là. C'est ça que nous, on aime. Ou bien toi, tu es dans ta grosse voiture, tu es en train de passer, et puis tu t'arrêtes au quartier, et puis tu prends un thé avec nous. Et puis on plaisante un peu, tu décomplexes. Vous avez vu, il y a Kangi qui dit, je confirme pour TBO. Bon, si c'était que je mentais là, il y a quelqu'un qui allait dire que tu mens. Je parle de ténébrement Ouattara. Malgré qu'il a les canons, les 12-7, les DCA, les A52, les chars combat là. Faut pas regarder ça. Il te parle, dialogue direct, propre, propre, simple. Bon, ça là. Vous voulez qu'on déteste ces gens-là, pourquoi? On n'a pas la force. On n'a pas la force de détester quelqu'un sur du faux. Surtout qu'il respecte les gens. Nous, là, c'est respect seulement, nous, on aime. Mais si tu ne nous respectes pas, là, ah, là, nous aussi, on est prêts. On va te prendre, te mettre dans l'eau de bain, et puis te noyer devant tout le monde. Mais on aurait pu éviter tout ça. Le président Ouattara même, là, lui-même n'est pas compliqué. Nous voulons donner une autre image de la gestion. Et j'allais aussi apprécier quelqu'un, Souleymane et de Boaké, là, j'oublie son nom. Il fait beaucoup de très belles choses. Quand il a eu à intégrer un de nos aînés à la fonction publique qui avait été injustement retiré. Voilà des choses qui marquent. Moi, je n'ai pas dit de faire pour moi, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai fait mon dossier ici. Et nous disons à nos militants, allez travailler. C'est la seule plateforme ici où je vois les EPV dire, les gars, je vous aime, mais je m'en vais au travail. On aimerait voir ça sur nos différents sites. C'est vrai qu'on est là, on s'entretient, on parle, on fait tout, mais il faut que chacun travaille. C'est vraiment important. C'est extrêmement important, surtout ceux qui sont en Occident. Il s'appelle Touré Souleymane. Il fait de très belles choses. Par moment, on l'a limé ici. Voilà, tout ça, c'est la marque des EPV. Hein. Quand il déconne, on le limite un peu, mais quand il a fait des bonnes choses aussi, on le dit. Et donc, tout le monde là, la vie même est une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle, comme disait Hamlet. Et si tu sais comment jouer ton rôle là, tu peux toujours te permettre de changer. Et donc, retenons cette leçon là et essayons d'évoluer. C'est ce que l'aîné Edjomo de Beng a fait ressortir dans son message. C'est vraiment très important. Et surtout, l'homme Ouattara, c'est une école, c'est une institution. Mais malheureusement, en général, là, quand tu as un trésor, toi-même, tu ne sais pas. C'est les autres qui savent. Je crois que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 2009, hein, si je ne m'abuse. Mais c'est quelqu'un comme ça là, qui vient dire, toi, Alassane Ouattara, là, tu es un homme d'expérience. Et que nous, on est obligés de venir prendre les leçons. Sinon, le Congo, là, ils sont riches. Hein, Brazza, là, ils sont riches. En ressources naturelles, plus que la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour vous dire que c'est la qualité des hommes qui font la marque même de l'État. Et non l'État. Mais non, c'est la Côte d'Ivoire même qui est un pays important. C'est faux. Quand la Côte d'Ivoire était dirigée par Oufo, la Côte d'Ivoire était importante parce que Oufo était un homme d'État. Quand la Côte d'Ivoire était dirigée par Henri Konan Bédié, Gbagbo et autres, la Côte d'Ivoire est devenue... est tombée, comme dirait l'autre. Mais bizarrement, quand Alassane Ouattara revient, la Côte d'Ivoire remonte. Et fait cas d'école. Ça veut donc dire que ce sont les hommes qui gèrent le pouvoir, qui vont donc donner une image au pays, et non le pays qui a une image que des politiciens vont venir utiliser. Et donc, nous allons arrêter la parole ici et la donner au grand maître Yann. Et Yann, on a déjà pris nos stylos, on a pris aussi quelques bouts de papier qu'on avait, on a assis par terre, et puis il faut nous enseigner. Allô, le grand maître Yann, vous êtes là? Allô, oui, allô. Oui. Oui, mon grand oncle, oui, j'avais même commencé à parler. En fait, j'ai oublié d'enlever le mute, désolé, je m'en excuse. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, bonsoir, 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 mon grand oncle, bonsoir, mon grand maître, bonsoir à tous nos chao, à tous nos mao, bonsoir à tous les panélistes. J'aimerais d'entrée de jeu saluer l'aîné
du mot de bain. Faut pas insulter. Ici, là, ici, attends. Bon. Ici, on n'insulte pas. Je vais te contrecarrer en même temps. Bon, je laisse tomber alors. Parce je laisse tomber. Je sais que tu veux bon, apostille pour réagir. D'accord, ok, bon, je laisse tomber. Mon grand temps, vraiment, je pense qu'avec tout ce que tu viens de dire, vraiment, je pense que même, on peut même comme ça arrêter même de parler parce que c'est tellement touchant, c'est tellement vrai, c'est tellement rempli de sagesse ce que tu as dit. Moi, j'aimerais juste, avant de te poser, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te poser trois questions, mais juste dire une petite phrase simplement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le problème de nos communautés, déjà, j'aime pas le thème nordiste. Je l'ai dit simplement des Ivoiriens. C'est le problème d'unité, même au sein même des cellules familiales. Mm-hmm. Quand on prend 10 familles, il y a au moins dans 8 familles, voire 8 et demi, si je peux m'exprimer ainsi, il y a une division, il y a des mésententes. Et ça réagit à travers les groupements de familles qu'on appelle généralement les kabilas, et ça réagit aussi à travers les communautés familiales jusqu'à dans le village. Parce qu'il y a un manque de sagesse, il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'humilité, parce que les propriétaires terriens que les autres sont venus trouver, souvent ont du mal à accepter que ceux qui sont venus les trouver là, qu'il y ait des grands esprits qui émergent ou qui émanent parmi ces familles qui sont venues les trouver. Et généralement, ça cause des problèmes. Donc, quand on, même dans une famille, même, c'est-à-dire papa, maman et puis les enfants, ou bien, bon, comme nos papas souvent, ce sont des papas polygames, avec la famille même là, on va voir que généralement, les aînés, quand ils n'ont pas réussi à un certain niveau, que les plus petits réussissent, ils ne sont pas contents. Bon, on va dire que c'est la nature humaine qui est comme ça, mais je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu, qu'on voit plus l'intérêt général que l'intérêt individuel. Je vais m'arrêter là. Maintenant, te poser des questions, une série de questions, comme le temps fait défaut par moment. Bon, donc, je peux y aller? Oui. D'accord. Pourquoi les opposants n'assument plus leur passé une fois arrivés au pouvoir? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas s'il faut que j'enchaîne ou je te laisse d'abord répondre avant de continuer. Laissez-moi répondre au moins là. Si vous n'êtes pas satisfait, on peut approfondir. Bien sûr. Bon, je me mets sur mute dans ce cas-là. OK. Et là, si je spécifie la question pour revenir aux opposants ivoiriens, pourquoi ont-ils peur d'assumer leur bilan du passé? Mais pour assumer quelque chose, il faut qu'il y en ait eu. Bédié prend le pouvoir en 1993. Ce sont eux aujourd'hui qui sont les opposants à Alassane Ouattara. Sinon, ils n'ont pas toujours été opposants. Ce qui veut dire qu'ils ont donc eu soit à être à la tête de l'État, ou bien qu'ils ont eu des postures qui leur permettaient d'influencer le destin des Ivoiriens. Comme je l'ai dit ici hier, la politique, c'est la science de la gestion de l'État. Ça veut dire quoi? Quand moi, j'estime que j'ai la capacité de conduire la masse et que j'ai un idéal pour conduire cette masse-là vers, en ce moment donc, ça veut dire que je fais de la politique, qu'on appellerait politikos, mais on ne va pas rentrer dans les mots pour impressionner les gens. Tout ça là. En français simple, ça veut dire, quand tu dis que tu es politicien là, ça veut dire toi, tu regardes le monde dans lequel on est aujourd'hui là. Tu dis, moi, je sais comment je peux gérer les gens pour atteindre ce qui sera bien pour tout le monde. Et donc, en un mot, tu vas apporter quelque chose de plus. C'est ce qui a permis aux Occidentaux d'évoluer. Et donc, normalement, la politique là, en réalité, si on veut la définir simplement, c'est la concurrence entre les hommes qui se sentent capables de gérer la cité à pouvoir donner mieux à leur société. Yann dit que lui, il est politicien. Éclara dit qu'il est politicien. L'aîné Jomo de Ben dit qu'il est politicien. Le roi du printemps dit qu'il est politicien. Sunyata dit qu'il est politicien. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui va nous démarquer les uns des autres, c'est notre capacité à pouvoir dire au peuple, voilà ce que je vaux. Et donc, voilà mon programme de campagne. Et voilà ce que j'ai fait. Parce que quand tu as le programme de campagne, là, ça, c'est une vision d'esprit. Ce sont des mots dans un livre.
Mais tu as déjà eu la capacité de le faire, tu ne l'as pas fait. Les éléphants, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, là, promenez-vous partout en Côte d'Ivoire et puis ramenez-nous un orteil de l'éléphant. Ça n'existe pas. Le temps de Laurent Gbagbo, plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire est quittée d'une économie exsangue à une économie totalement pays pauvre, totalement endetté. Et Yann, je peux te le dire en toute honnêteté, personne n'est fier de venir dire que je suis le père de la médiocrité. Personne ne peut prendre une chicotte et puis s'auto-flageller en public pour dire « c'est moi ». Vous savez, quand on était à l'école primaire, les Blancs avaient une habitude, quand tu t'amusais à parler le sénoufo ou bien à parler peut-être une langue locale, on te mettait le collier de la honte. Tu t'en souviens? Est-ce que les opposants là peuvent accepter aujourd'hui de porter leur propre collier de la honte? C'est ce qu'ils ne veulent pas assumer. Or, Alassane Ouattara n'a pas de complexe. Ce qu'il a dit hier dans l'opposition, il le faisait avant d'être président. Leur budget PPTE, là, c'est Alassane Ouattara. Nous, on ne le savait pas, hein. C'est Charles Dibi qui est sorti pour dire, quand Laurent Gbagbo l'a envoyé ici à Washington, là, Alassane opposant, là, il dit, moi, je vais aider mon pays pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Ça, c'est d'abord opposant. Je le confirme. Voilà. Et Alassane Ouattara a toujours facilité ce que beaucoup de personnes ne savent pas, malgré les gouvernements calamiteux qui le combattaient, là, qui disaient qu'il était burkinabé, là. Même au temps de Bédié, Gbagbo et autres, là. Alassane Ouattara a toujours facilité les prêts à la Côte d'Ivoire à travers le FMI et les institutions de Bretton Woods. C'est de ça qu'il est question. Et donc, à la vérité, quand des gens disent qu'ils sont politiciens, comme on vient de le dire, c'est là que vous allez découvrir qu'il y a des politiciens, il y a des hommes d'État. Et même si on veut aller dans les mots, il y a le politique. Un politicien, c'est quoi? Un politicien, c'est simplement quelqu'un qui utilise la malice, qui utilise la tromperie pour prendre le pouvoir. Comme Laurent Gbagbo, comme Bédié. Et vous savez les résultats que ça donne. Mais quand un politicien prend conscience de son rôle et qu'il devient un homme d'État, il se dit, ma volonté, ce que je dois faire, il faut que je laisse quelque chose aux générations à venir. C'est ce qu'un de nos jeunes frères disait, qu'il n'y avait que deux présidents en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il le disait dans les mots que lui-même il avait, mais sans comprendre peut-être le fondement idéologique et politique. En fait, il était en train de dire que les deux hommes d'État que la Côte d'Ivoire est connue s'appellent Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara. Sinon, le reste, là, ce sont des politiciens. Parce que ce sont les deux qui ont eu à cœur de faire quelque chose pour que cela serve à ceux qui vont venir après eux. Mais c'est la même chose que les Américains font. Eh bien, moi, je suis aux États-Unis. Mais vous pensez que quand on a attaqué l'Irak, là, c'est parce qu'il y avait des bombes de destruction massive? Il n'y avait même pas lance-pierre. En réalité, c'était pour extraire leur pétrole. Quand on a attaqué Kadhafi, c'était pour le pétrole et puis l'aspect un peu idéologique parce qu'il était sur le point de créer une monnaie africaine. S'il réussissait, ce n'était pas bien. Et là aussi, on l'a canardé aussi. Bon, vous nous excusez, mais on est sur la terre des hommes. On a voulu diviser la Syrie en 6 pays pour pouvoir bien profiter. Mais en temps, il faut dire qu'on a négocié avec Daesh pour retirer aussi beaucoup de pétrole qui ont passé par la Turquie. Et puis bon, mais personne n'a vu, hein, c'était un rêve, c'était au monde parallèle. Sinon, on a beaucoup de pétrole ici. Et donc, voyez-vous, c'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Il faut que ceux qui disent qu'ils veulent être des politiciens soient prêts à mouiller leurs mains pour défendre leur pays, pour mettre quelque chose à la disposition des générations à venir. Quand la France va piller la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, ça peut vous faire mal, mais c'est comme ça que la vraie vie est. Si je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je laisse aux générations à venir? Et donc, je crois que ça doit donner beaucoup de leçons à nous, Africains, et surtout à nos hommes politiques africains, de savoir qu'on ne vient pas au pouvoir pour venir jouir du pouvoir qui est là et puis faire tomber son pays. Mais il faut plutôt aider son pays à aller de l'avant en créant les conditions pour les générations à venir. Et c'est ce que Alassane Ouattara est en train de faire en ce moment. Merci, Ogonton. Merci beaucoup pour cet éclairage-là. Je vais passer à la seconde question.
Alors, donc, selon toi, l'alternance au pouvoir doit être le but ultime d'une république démocratique. La démocratie, même, il faut pouvoir la définir aussi, selon moi. Est-ce qu'un mot peut avoir un seul sens? Partons sur les mots simples dans un dictionnaire. Si vous prenez n'importe quel mot, on va vous dire qu'il a son sens premier. On va vous dire qu'il a son sens synonymique. On va vous dire qu'il a son sens par analogie. Il a aussi son sens aussi parabolique. C'est pourquoi vous verrez des livres comme les livres religieux ou même les journaux. Yann, on te prend par exemple un journal économique. Toi et moi, on allait dans les mêmes écoles. On connaît les mêmes chiffres, on sait tous lire. Toi, tu n'as jamais fait l'économie. Si on te remet le Wall Street Journal ou même on te remet un journal économique là, tu vas comprendre quoi dedans. Les chiffres sont alignés, tu peux les lire, mais tu as compris quoi dedans? Rien. Donc, ça veut dire que dire quelque chose là, ou mieux voir quelque chose là, il faut aller au-delà. La démocratie doit être redéfinie selon le contexte africain, selon moi. La démocratie, si nous partons sur la base simple que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, qui aura la capacité de se choisir les dirigeants qui lui siedent. Mais la démocratie aussi doit être incarnée aussi par des hommes forts, parce que nous n'avons pas d'institution forte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La démocratie à l'africaine ne pourra pas fonctionner comme la démocratie à l'européenne ou à l'américaine. Parce que eux-mêmes qui sont en train de dire aujourd'hui qu'il faut une alternance pour une alternance, ça leur a pris combien de temps pour arriver là où ils en sont, pour qu'ils puissent faire les 7 ans en France ou les 4 ans aux États-Unis? Ça leur a pris assez d'années. C'est pourquoi il y a des exemples de présidents africains où d'autres ont fait 4 mandats au lieu de 2, d'autres en ont fait 3. Et donc, c'est une manière de dire que il faut pouvoir s'adapter aux réalités de son monde et de son contexte. Nous autres Africains, là, quels sont nos différents modes de gestion du pouvoir? C'est avec ces réalités-là et aussi ce qu'on veut atteindre en termes d'objectifs politiques à l'avenir qu'il fallait adapter le concept de la démocratie chez nous en Afrique. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire, par exemple, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez la démocratie, parce que beaucoup de personnes font la confusion entre la démocratie et le multipartisme. Non, on peut être avec un seul président, un seul parti et puis être en démocratie. Comme on peut être avec 1000 partis, mais être dans le désordre et la dictature. Et donc, vous verrez que, en Afrique, ce qui a provoqué beaucoup de guerres civiles, c'est la dictature des partis multiples. Denis Sassou Nguesso, dont on vous parle là, dans les années 90, là, les combats qui se sont déroulés à Brazzaville entre les ninjas et autres, si on vous parle, les hommes qui ont été tués, c'est trop. Mais tout ça, là, c'était fait sur les bases claniques. Parce qu'on a vu une dictature des différents partis. Il y a des partis nationalistes ethniques. Il y a des partis nationalistes de tels groupements. Ces multiplicités de partis-là n'ont rien apporté. On dit oui, il y a le pluralisme. Tout le monde peut s'exprimer. Mais tout le monde s'exprime pour aller vers où? Pour atteindre quel objectif? Pour atteindre le désordre. Et donc, c'est là que la nécessité d'avoir des hommes éclairés et qui savent être des hommes forts s'impose dans notre démocratie pour pouvoir stabiliser les mentalités et les consciences avant de pouvoir aller progressivement vers la démocratie. C'est ce que Oufo avait dit quand le monsieur était venu, l'ancien président français était venu dire c'est la démocratie ou rien. Il a dit les Africains ne sont pas prêts. Mais ça s'est constaté. Aujourd'hui, quand Obama va en 2011 créer un État de toutes pièces, le Soudan du Sud, en 2011, mais que ces mêmes Soudanais, la Riek Machar et l'autre, se mettent à se combattre à cause de leurs différences ethniques, alors que les Arabes ne les aimaient pas. Et là encore, c'est qui vous allez accuser? C'est la non-préparation de nos peuples à la démocratie à l'occidentale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous verrez beaucoup de désordres, beaucoup de dégâts dans nos pays. Ce n'est pas dû à la démocratie elle-même, mais c'est dû au fait que ce n'est pas le bon modèle qu'on applique. Et ce bon modèle qu'on devrait appliquer, selon moi, c'est le modèle qui s'adaptait à nos niveaux de compréhension, aux réalités de nos sociétés et progresser de façon évolutive et par étapes, plutôt que de nous imposer un modèle sans chercher à comprendre nos réalités. C'est comme ça que j'aurais pu répondre. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et la dernière question,
Et si tu me permettras, je vais essayer de faire une synthèse par rapport à tout ce que tu as dit après. Y a pas Pour l'instant, je passe à la troisième question. de... Comment peut-on mettre fin au tribalisme en politique? Comment peut-on mettre fin au tribalisme en politique? D'abord, il faut savoir que le tribalisme même n'est pas mauvais en lui-même. Parce que c'est l'affirmation de l'identité globale d'un peuple ou même d'un individu par rapport de là où il vient en tant qu'individu. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est quand on l'instrumentalise maintenant pour pouvoir dominer les autres ou bien pouvoir causer du tort aux autres que ça devient un problème. Ça, cette question-là, il faut qu'on soit d'accord. L'homme du Nord doit demeurer l'homme du Nord. L'homme de l'Ouest sera l'homme de l'Ouest. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une suprématie de l'un ou même qu'on utilise ce facteur-là pour monter sur le dos de l'autre. C'est là que ça devient un problème. Mais ce facteur étant compris et dépassé, comment faire maintenant pour que les politiciens ne l'utilisent pas? On peut déjà, dans nos pays africains, utiliser l'instrument de la loi dans des langages clairs pour dire que tout politicien qui va s'obstiner ou même s'essayer à utiliser des mécanismes pour inciter les fibres ethno-religieuses, ou parce que ce n'est pas seulement les ethnies, mais ça peut être même les religions, au-delà des compétences politiques, sera sanctionné et lourdement sanctionné. Ça sera la première solution. C'est-à-dire que dans nos lois de nos différents pays africains, là, on met que si toi tu viens et puis tu viens instrumentaliser la fibre ethnique, religieuse ou même autre, on t'enlève ou on t'exclut ou on te sanctionne. Ça serait peut-être déjà un bon pas. Mais ça serait aussi une implication même des populations. Parce que il y a la plus grosse plaie dans nos pays africains, c'est que la population même n'est pas suffisamment éduquée académiquement parlant. Sinon, moralement parlant, on a de très bonnes éducations en tant qu'Africains, mais je veux parler de l'éducation en termes d'ouverture d'esprit. Et donc, il faut aussi éduquer nos peuples à libérer les consciences, à dire que le jour où tu naissais là, même si tes parents sont bêtés, ça fait tu es né d'abord en tant qu'humain. Si tes parents sont gagous, wobe, guéré, avicam, djoula, et tout ce que vous voudrez, c'est nous faux. Tu es né d'abord en tant qu'humain. Éduquons nos populations à nous voir en tant que des frères sur la terre. Des humains qui doivent vivre ensemble. Et ça, cette éducation-là ne pourra passer que par la culture intellectuelle, selon moi. Parce que la morale a échoué. La morale a échoué en ce sens que lorsque nous voyons des précepteurs de la morale, comme l'évêque de Daloa, comme le cardinal Agré, comme le cardinal, l'évêque Coutois, qui ont échoué lamentablement, eux qui étaient les représentants, les fonctionnaires de Dieu sur la terre, mais ils ont échoué. Donc j'ai dit que la morale a échoué. Et c'est en cela que je suis d'accord avec le grand maître Friedrich Nietzsche qui disait que Dieu est mort. Dieu est mort parce que c'est le faux Dieu des églises, c'est le faux Dieu des religions qui est mort. En tuant le bien qui est en chaque être humain. Alors que c'est le bien de chaque être humain qu'il faut réveiller pour pouvoir aller vers Dieu. Mais les fonctionnaires de la vérité, si je puis les appeler, ou de la religion, ou les fonctionnaires de Dieu sur la terre, sont ceux-là aujourd'hui, au nom de leurs intérêts particuliers, ont enterré la morale. Quand on vient dire quelqu'un qui est un fonctionnaire de Dieu, et on lui dit qu'on l'a attrapé avec un petit garçon, qui a le derrière ensanglanté. Mais est-ce que là encore, vous allez me convaincre d'aller vers cette religion? Quand on prend des musulmans qui sont en train d'égorger les gens, ils disent qu'eux le font au nom d'Allah. Vous pensez que cela peut me convaincre de croire en Allah? Et donc, c'est là que vous verrez que la morale a échoué. Il faut bien écouter ce que je dis. Pas parce que ceux qui font le mal sont ceux-là qui ont fait que la morale a échoué, même s'ils le proclament, mais parce que ceux qui estiment que eux, ils sont à la recherche de leur voix. Ceux qui sont les ouailles, ceux qui sont les moutons, n'ont pas eu le courage de dire, vous êtes en train de faire le faux. Ce n'est pas vrai. Et donc, ça veut dire, ceux qui sont les victimes, tout comme ceux qui sont aussi les bourreaux, n'ont pas été capables d'aller vers la vérité. Donc, la morale a échoué. Et moi, je préfère mettre ma confiance aujourd'hui en l'intellect. Plus on va éduquer l'être humain à lui montrer la vérité sans complexe, plus il sera libre et il pourra faire des choix et il va comprendre que ce sont des petites considérations inutiles qui sont en train de nous perdre du temps.
En réalité, Alassane Ouattara n'est pas fort parce qu'il vient du Nord. Laurent Gbagbo n'est pas un vaurien parce qu'il vient de sa propre région. En réalité, quand tu ne vaux rien là, c'est une accumulation d'erreurs qu'il faut corriger en soi-même. Et quand tu es fort là, c'est une accumulation d'expérience. L'expérience en elle-même n'est pas le vécu, mais c'est ce que tu fais de ton vécu là qui est l'expérience. Voilà ce que j'ai vécu, serpent m'a mordu. Soit je ne passe plus sur cette route là, ou bien quand le serpent m'a mordu, j'ai trouvé un médicament contre le serpent. C'est ça qui est l'expérience. L'expérience, c'est pas non, oui, le serpent m'avait mordu, ça suffit, je sais. Non. Mais tu as fait quoi avec ça? Et donc, l'expérience, ce n'est pas la somme de ce que vous avez vécu, mais c'est plutôt le résultat que tu as tiré de ce que tu as vécu qui est ça. Et donc, Alassane Ouattara que vous voyez, ce n'est pas un extraterrestre. Il n'est pas descendu d'une soucoupe volante. Il est né ici. Tout le monde connaît son papa et sa maman. Il a un parcours de vie. Et ça lui a donné une certaine expérience. Et à un moment, il s'est dit, pourquoi ne pas revenir pour donner ça à mes frères et rester en Afrique? Et donc, pour moi, pour simplifier, pour qu'on en arrive à une évolution de notre société, il faut, un, dans les textes des lois, et dans la première question que tu m'avais posée, je t'avais parlé d'hommes forts dans nos institutions qui vont incarner, parce que l'homme africain, là, si tu n'emploies pas la violence avec lui, là, ou même tu ne le ferais pas, là, même si tu écris les plus belles lois du monde, il ne va pas accepter. Et donc, cet homme fort, dans la première question que j'avais répondu, s'il y a des textes bien élaborés qui sont là, quand Jerry Rawlings a fusillé des anciens présidents pour détournement de fonds, va au Ghana aujourd'hui. L'homme africain, là, si tu ne coupes pas sa queue, là, il ne se redresse pas. Et donc, il faut corriger tous ces facteurs-là et puis éduquer correctement nos peuples et vous verrez que tout irait mieux. Merci beaucoup, mon grand homme. Merci vraiment pour tous ces éclairages-là. Bon, moi, je pense que tout ce que tu as dit, vraiment, j'adhère totalement. J'aimerais simplement ajouter que toutes ces idées sont parties d'un débat que j'ai eu ce week-end avec un frère congolais qui parlait dans la salle du président Ouattara en disant que oui, bon, ça y est, bon, maintenant, il faut qu'il parte, il a fait ses deux mandats, il est vieux, il est fatigué. Il dit, mais pourquoi tu veux qu'il parte? Non, mais il peut rester et puis il peut mettre quelqu'un à sa place dans son parti. J'ai dit, mais si lui, il est là, il fait le travail. Si c'est un homme fort, quand on dit homme fort, là, c'est pas parce qu'il soulève des poids, des masses de 20 kilos ou bien de 50 kilos. C'est un grand esprit. Et ces gens de grand esprit, on ne trouve pas comme ça tout le temps. Donc, vraiment, on a encore besoin de lui. Et j'ai même pris l'exemple. J'ai dit, bon, regardez aujourd'hui. Ceux que vous suivez là, les Poutine, les Erdogan, les Chinois, là, Angela Merkel, et ceux qui sont aujourd'hui les modèles de démocratie, qui nous ont même imposé la démocratie à l'occidental, ils ne font pas que deux mandats, puis ils partent. La Poutine, il est là depuis combien d'années? Il a plus de quatre mandats aujourd'hui. Et Erdogan, pareil, en tant que premier ministre, il dirigeait le pays, il a changé la constitution pour passer à un régime présidentiel, et aujourd'hui, il est encore au pouvoir. Donc voilà, Angela Merkel, elle a fait quatre mandats. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que le but de la démocratie, là, c'est de faire l'alternance? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle même avec, quand souvent j'interviens sur Africa numéro 1, j'entends les frères sénégalais qui disent non, qu'il faut que la personne a fait ses deux mandats, il part. Mais si on a une succession de médiocres qui viennent, qui fait deux mandats, qui partent, le pays ne va pas se développer non plus. Donc il faut qu'on soit un peu quand même. Vraiment, merci beaucoup pour tout l'éclairage là, parce qu'aujourd'hui, on confond la démocratie et le bonheur. La démocratie n'amène pas forcément le bonheur ou l'épanouissement à un peuple. Pas du tout. Voilà. Donc, on a eu deux médiocres à la tête du pays. Bon, et c'était des médiocres, des présents par intérêt, mais qui ne voulaient pas partir. Donc, ils ont été sautés par un coup d'État et l'autre. L'autre, il a été forcé à partir parce que malgré le fait qu'il a perdu le pouvoir, il voulait usurper le pouvoir. Mais voilà, bon, si même ces deux-là, ils respectaient l'alternance au pouvoir qu'ils partaient après leurs deux mandats, la couche va serait au même niveau. Pour qu'on sache faire la part des choses, et cette démocratie qui nous a été imposée depuis la conférence de Naples par les Occidentaux, via la branche ouest africaine qui était la France, mais c'était simplement pour déstabiliser économiquement et socialement
nos présidents qui étaient là pendant longtemps et qui avaient su imposer une certaine stabilité dans leur pays. La Côte d'Ivoire était appelée à l'époque la petite Suisse, où les grands leaders occidentaux, où les grands présidents occidentaux venaient prendre des enveloppes ici avec notre père Ofori-Bouani. Donc, ça là, il fallait casser ça. Il fallait casser ce monopole parce que la stabilité en, sur le long terme crée forcément des richesses. Parce que y a, et puis la meilleure liberté, là, mon grand homme, la meilleure liberté, il n'y a pas plus meilleure liberté que la sécurité. Mais une fois qu'il y a une stabilité sur le long terme et qu'il y a la sécurité, mais le business, mais ça marche tout seul. Même des gens qui ne sont pas forcément soutenus par les gouvernements, mais le fait qu'ils savent qu'ils sont en sécurité, ils ont pu cotiser, mettre leur argent de côté, faire leur coopérative, ils prennent un produit et qu'ils prennent en province pour amener dans les grandes villes, ils vont prospérer dans leurs activités. Franchement, moi, je dis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, moi, j'ai des amis avec qui j'ai fait le collège, le lycée aujourd'hui, mais même si on leur tend des milliards qui sont au pays, même si on leur tend des milliards pour qu'ils viennent se chercher en Europe, jamais ils viendront. Jamais ils viendront. Parce qu'il y a une certaine stabilité. Donc, moi, je pense qu'il faut que nos frères comprennent les choses. Il ne faudrait pas qu'on se laisse manipuler à les vendeurs d'illusions. Il ne faut pas qu'on se laisse manipuler par des gens qui viennent simplement dans le but de nous arracher le petit bonheur qu'on a. Et eux-mêmes, dans leur propre pays d'origine, ils ne sont pas capables même de critiquer même le petit fait social. Ils ne sont pas capables. Je veux parler de l'homme à la double tête, là, et j'oublie son nom, mais le Béninois, là. Capo Nabucco. Capo Chichi. Mm-hmm. Capo Chichi. Mm-hmm. Et Capo Chichi. Mm-hmm. Et puis l'autre péripatéticienne, là, qui vend ses services même à ses enfants aujourd'hui, là. Et Niam, là. Mais c'est des gens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas critiquer leur propre pays d'origine. Ouvrons les yeux. Aujourd'hui, là, nous, on va regretter Alassane Ouattara. Ça, on le sait. Nous en sommes conscients. Mais pendant que le vieux est là, profitons au maximum de lui. Et surtout, après son corps physique, là, il faut que son esprit reste comme la façon dont l'esprit de Fobani règne aujourd'hui à travers la Saint-Martin. C'est de ça qu'on veut, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup. Merci. Et je vais passer la parole à mes autres frères. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est moi qui te dis merci parce que les séances de questions m'avaient beaucoup manqué. Mais c'est toujours intéressant parce que ça nous amène à nous surpasser. Et comme on le dit, on ne prépare jamais rien. Ça nous permet aussi de tester aussi nos vieilles connaissances. Parce qu'en réalité, la connaissance, c'est ce qui est resté après qu'on soit quitté à l'école. Et quand on a des questions qui nous demandent de creuser les méninges, c'est encore plus intéressant. Et ça nous permet de réchauffer un peu les méninges. Et donc, excuse-moi, je vais vraiment me permettre de dire ça. Franchement, si je l'ai fait, parce que je sais que tu es très fort, je le dis, mais en toute sincérité, tu es très fort. Tu es trop rempli d'humilité, c'est peut-être ça ton péché, mais tu es très fort. Sinon, moi, je ne vais pas me permettre, en pleine émission comme ça, de balancer ces questions-là. Celle-là, même si je pose ça même à Gbagbo, Laurent, même, il va commencer à bégayer. Donc, c'est parce que tu es très fort. Tu es le fils d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je me suis permis. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Les gens diront qu'on est dans les superlatifs, mais toi-même, moi aussi, tu es. Eh, mon grand ok, bon, on va laisser comme ça. Ok, donc on laisse comme pardon, ça. Pardon, merci beaucoup. On laisse comme ça. Ok, donc ici, je me joins à Jomo de Ben qui disait qu'on a ici le roi du printemps. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et celui seul peut nous expliquer cela. Bonjour, le roi du printemps. Bonjour, le roi du printemps. Il me semble qu'il n'est plus avec nous. Le roi du printemps, est-ce que vous êtes là? Ah, certainement que le passage de Jomo Dimbeng l'a effrayé complètement. Il est rentré en brousse. Le roi, il ne faut pas avoir peur. Si tu es là, il faut te signaler. Ok. Donc, il me semble que le roi ne soit pas...
en posture de disponibilité. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en temps, elle est libérée, le temps qu'on puisse avancer. Yann, vous êtes là? Le concurrent, vous êtes là? Je suis là, moi. Ok. Et donc, il me semble que les autres intervenants ne sont peut-être pas là. Et donc, d'accord. Voilà, donc peut-être on va aller déjà vers la conclusion. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup. Je profite de l'opportunité. Bon, comme tu m'as dit de ne pas répondre à Diomo, je vais laisser tomber. Non, tu, non, tu peux répondre, tu peux répondre. Parce que Diomo, non, mais, il, peut, il va s'assumer. Mais, tu peux répondre. Éclaireur pour vérité, il faut qu'il réponde. Je suis là pour écouter. Oh, voilà, il dit, Yann. Yann, il dit qu'il est là. Il dit qu'il est là, il est prêt pour toi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bon. Cher aîné, bonsoir. Bon, ok, mon grand oncle. Moi, je sais que quand notre grand frère, notre aîné, feu Amadou, bon, le premier ministre nous a laissé. Je t'écoute. Il y a deux individus qui sont allés se mettre sur la route. Mm-hmm. Et les deux individus là, ils sont allés se mettre sur la route. Ils disent qu'ils avaient besoin de et ils voulaient bloquer le corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés de l'autre côté de la route. Est-ce que l'aîné peut nous expliquer ce qui s'est passé? Parce que moi, je ne sais pas. Ils disent que c'est dans leur corps. Et ils voulaient le corps, là. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la route. Moi, j'aimerais avoir des explications là-dessus. Vous savez que entre les Koyaka et les Senufo, il y a une alliance qui date de plusieurs temps. Malheureusement, vous m'entendez, non? Très bien. Très bien. Malheureusement, les alliances ne sont pas connues de tous. Mais Dieu merci, il y a eu des gens qui ont interpellé celui qui a fait ça. C'était l'ASPR, bien sûr. C'était l'ASPR. Moi, je ne dis pas que... Et je ne dis pas que l'ASPR ne connaissait pas la tradition. Il l'a fait, ouais. Mais il sait ce qu'il a payé après. Hein. Il sait. Hein. Parce que entre Koya et Senufo, ça ne doit pas exister. Mais bon, c'est un passé qui nous a marqué. Et celui-même, je crois, qui a été lancé du côté de l'autre côté, je crois que c'est lui-même attribué, je crois, plus de 100 000 francs CFA. Bon, ça ne valait pas le prix, hein, de toutes les façons, de l'humiliation qu'il a subie au funérail, bien sûr, d'un grand homme comme Amadou Gon. Mais je dis toujours que ça rentre dans le compte de l'Alliance. Je ne sais pas ce qui va aujourd'hui, je ne sais pas moi, dégrader l'amitié et l'alliance qui lie les Koyas au Senufo et qui date d'ailleurs de temps de Macuzalem. Aujourd'hui, je pense que si tu lui disais encore à l'ASPR de reprendre ça, je crois que, je ne sais pas, hein, quelqu'un a parlé tout à l'heure qu'il est bien, il appelle, bon, je parle de l'écoeur pour vérité, qu'il répond et tout ça. Mais franchement, lui-même après, je sais qu'il a regretté. Parce que moi, je me rappelle bien quand il est venu en France ici pour Bonjour 2022, il m'a donné 50 euros en compensation de ce qu'il a fait à Korogo. Donc, jusque-là, il continue de payer le lourd tribut de ce geste-là. Voilà. Donc, en c'est ce que je peux te dire. Donc, parce que l'alliance entre Senufo et Koya, on ne peut pas rentrer dedans. L'ASPR, il a fait, mais il va payer ça toute sa vie. Chaque Koya qu'il va avoir, il va donner de l'argent. Donc, le Koya qu'il a jeté, là, ne dit pas j'ai fini pour moi. Là. Chaque Koya, il va avoir, là, il va donner de l'argent. À commencer par le mot de Ben. Parce que vous êtes... Non, en fait, c'est parce que vous les Koya, vous êtes trop fatigants. Vous êtes derrière nous, je ne sais pas, André Mouche qui a vu Miel ou Mouche qui a vu. Je ne comprends pas votre appel. Vous êtes tout le temps, c'est pour ça que j'ai posé. C'est pour ça que j'ai posé de la question, cher ami. Sinon, il n'y a pas parlable. Mais vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez trop. Partout où on est, vous êtes derrière. C'est quoi le problème? Mais c'est normal parce que ces deux peuples sont faits pour être ensemble. C'est clair. Vous souvenez que vous étiez là où nous sommes aujourd'hui, géographiquement parlant, en Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes venus et on vous a chassés. Et là encore, vous avez eu de la chance.
on vous a poursuivi jusque-là, sinon on devrait vous mettre derrière. Là, là, vous allez être Burkinabé. C'est ça votre problème là. C'est que vous venez vous asseoir sur la tête des gens et puis vous vous arrangez pour les chasser. C'est ça qui a créé. Si ce n'était pas à cause de l'alliance là, il y a longtemps le problème avait été réglé. Hein. On lançait juste une balle mystique là-bas et puis le problème était réglé. Non, mais s'ils en avaient l'air. Ah, mon grand pas mort. Mon grand temps, pardon, mon grand temps. Non, en fait, je dis tout ça parce que pour moi, merci beaucoup, cher aîné. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin d'aller vers l'édification d'un État-nation. Oufo Boigny avait vraiment lancé les premiers jalons à travers sa politique inclusive de cette politique-là. Malheureusement, comme on n'a pas, et je me réfère encore à ce que mon grand-oncle vient à dire tout à l'heure, parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas, ou le vieux était obligé de nous dire de faire des efforts. Donc cette malédiction, malheureusement, on a payé le plus fort de la souffrance qu'on a fait. On a fait subir aux vieux oufoués. Vous voyez? Donc, du coup, c'est malheureusement ce qui nous a fait vraiment passer pratiquement 20 ans, un peu plus, je crois, depuis que vous faites moi en 93, d'instabilité. Vous voyez? Et du coup, je retiens ce que vous avez dit, cher aîné, concernant la mésentente entre les fils les ressortissants de la même région. Et ça, malheureusement, ça met beaucoup, beaucoup de retard dans le développement, même au niveau même des localités. Vous voyez, je prends le cas qu'on a traité ici à plusieurs reprises, le cas de Odiné. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage qu'on peut avoir des talents dans telle région et on n'arrive pas à exploiter leur potentiel. Mais c'est parce que le président qu'on a aujourd'hui, c'est un homme dur, c'est un homme vraiment très, très, très fort. Sinon, s'il s'était laissé et abattre par le découragement, par le sentiment, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait vraiment un pays de djihadistes, où on allait vraiment avoir affaire à des arrivistes politiques, des Kofi Gombo de la politique, qui allaient venir déstabiliser le pays. Et ça, excusez-moi de dire comme ça, mais je pense que c'est une certaine vérité. Nos parents du Sud-là allaient se frotter les mains. Parce que eux, ils attendent que ce genre d'occasion, comme on a vu avec la rébellion, pour s'enrichir et puis pour mépriser les peuples qui ne sont pas, comme c'est des tribaux jusqu'à à leur moelle, et pour mépriser ces populations-là et confondre ces populations-là même avec les djihadistes. Moi, je me rappelle, et ça, j'ai eu très mal, lorsque la candidature aux élections législatives, je crois que c'était en 2001, du président avait été rejeté pour être député de Kon. Tu parles des élections législatives, c'est en 1995, hein. Non, en 2021, lorsque Babou a pris le pouvoir, qu'il y avait les élections législatives, dans 2001, qu'il avait même posé sa candidature pour être député de Kon, et ça lui a été refusé. Ça, c'était en 1995. C'était en 95. Oui. Non, en 95, Bédié était au pouvoir. Donc, ouais, en 95, je te dis. Ah, d'accord. Mais je sais qu'il y a eu une année où vraiment sa candidature avait été rejetée. Où le RDR a refusé d'aller aux élections. Effectivement. Après, au municipal, on a été les premiers dans la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ah, d'accord. Ah, ok. Bon, vous voyez que, oui, c'est ça, cher ami. C'était en 95. Vous voyez que tellement le mal était profond, il fallait vraiment que nous réagissions chacun de sa manière qu'il pouvait. Nous, on a réagi avec nos petites réunions qu'on faisait au quartier. Bon, les hommes en armes, les frères aussi en armes aussi, que je salue dignement, dont le plus illustre entre eux, qui est le commandant
Charlie Oscar, voilà, je dis comme ça, sans vraiment faire de pub, sans citer son nom. J'ai le commandant Charlie Oscar, et tu le reconnaîtras, que je salue vraiment avec tout le respect et dû à son, vraiment à sa compétence. Et aussi, on a été choqués de voir cela. Et ça, on a vu les conséquences de tout ça. Moi, je dis ça parce qu'aujourd'hui, là où la Côte d'Ivoire est arrivée, on ne peut pas laisser le pays régresser. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis ça parce que ces impénitents-là sont cachés dans l'ombre. Et Gbagbo et sa clique sont cachés dans l'ombre. Ils cherchent toujours à nous tirer vers le bas. Comme c'est la mentalité du nègre qui est vraiment, qui, comme on dit, qui fonctionne comme étant dans un panier, dans un panier à crabe. Donc voilà, en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire, comment édifier et comment créer un État-nation. C'est-à-dire que du nord au sud, comment les Ivoiriens peuvent se sentir un à travers une mentalité, à travers une langue. Je ne parle pas de la mentalité urbaine. Je parle même de ce qui nous lie et qui nous lie en tant qu'individus partageant le même territoire et ayant une histoire en commun. Et voilà pourquoi moi, je milite toujours pour une langue commune. Voilà pourquoi je milite toujours pour des symboles communs afin que nous puissions édifier cet État-nation-là. Parce que si nous n'allons pas vers ça, nous allons toujours laisser les sorciers prospérer dans leur laboratoire pour créer les mailles, pour fissurer le mur comme des salamandres et pour créer vraiment les germes de la division. Parce que eux, n'ayant pas cette capacité-là, même s'ils ont cette capacité intellectuelle, mais c'est des personnes qui sont très mauvaises, qui sont foncièrement méchantes, au fond d'elles, qui ne sont pas capables d'aimer l'autre comme eux-mêmes. Ils sont emprisonnés dans leur ego et ils ne peuvent pas se surpasser, ils ne peuvent pas prendre de la hauteur, ils ne peuvent pas s'élever. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils créeront à chaque fois des conditions de déstabilisation, eux, pour tirer le marron du feu. Et ça, au moins, il y a des préalables. Et c'est bien, l'économie, c'est bien, le développement, c'est bien. Mais il est temps aussi de créer l'Ivoirien nouveau. Et mon grand-oncle l'a dit, ça doit se faire tous les moyens. Et l'Ivoirien qui est là, là, pour qu'il puisse comprendre, on ne peut pas lui parler comme on parle, on donne la morale à quelqu'un. Il faut tracer un sillon et l'obliger à marcher dans ce sillon-là. Et dès qu'il comprendra l'intérêt pour lui de marcher dans ce sillon, il sera obligé de suivre et il verra l'intérêt même, parce que lui-même, il verra les retombées de ça. Quand on veut éduquer un enfant, on n'éduque pas un enfant dans la complaisance. On lui fait comprendre les choses, il y a l'aspect didactique des choses, mais il y a aussi, en fait, il faut que l'enfant, il faut montrer à l'enfant tout l'amour que tu lui portes, mais en même temps aussi, il faut que l'enfant derrière, il te craigne, pour qu'il sache qu'il est situé entre deux feux, entre comme on dit, deux sortes d'éducation. Mais bon, malheureusement, le système économique fait qu'on est souvent dans une situation où c'est des vilaines choses, on fait la promotion des vilaines choses. Moi, je trouve ça dommage, cher René. Excuse-moi, mais cet État-nation dont tu parles là, c'est créé, hein. Cet État-nation, c'est créé, hein. Le problème, c'est que quand on regarde aujourd'hui les agissements des hommes politiques au niveau du PPACI, pour toi, s'il y avait une majorité qui avait les mêmes opinions que les membres du PPACI, la grogne n'allait pas s'arrêter là. Parce que les Ivoiriens, entre nous, on s'aime. Je vais aller plus loin. Je ne sais pas où vous vivez, mais on m'a dit que l'éclairé, il est aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil qu'en France. En France, tu peux donner tes papiers à quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, qui nourrit des familles en Côte d'Ivoire, qui pour eux, toi, tu es leur Dieu. Donc si toi, tu as un souci, cette personne-là a un souci. Tu penses que si aujourd'hui, il y a des affrontements en Côte d'Ivoire, la famille de celle que tu nourris là va aller là-bas? Non. En fait, c'est les hommes politiques qui veulent se donner du poids. Et des hommes politiques qui sont déjà dépassés. Pourquoi je dis ça? Je parle par exemple de Bédier. Bédier avait combien d'années au pouvoir?
Et son programme de gouvernement a été quoi? L'ivoirité. L'ivoirité. Petit est parti. Guéhi est venu. Il n'a pas duré. Lui, son programme n'était quoi? Alassane ne serait pas candidat. Babo est venu. Lui, son programme, c'était quoi? Refondation. Et Alassane ne sera jamais président dans ce pays. Mais l'Ivoirien lui-même a compris que cette personne-là, il peut donner. Quand aujourd'hui, la croissance qui est repartagée, le goudron qui part de Séguéla jusqu'à Man, de Man à Ganoua, de Ganoua à Maman, de Maman à Séguéla, de Séguéla à Bondoukou, de Bondoukou à Korogo, mais ils savent déjà détecter qui peut faire mieux. Et il n'y en a pas, à part Alassane. C'est pourquoi d'ailleurs, remplacer Alassane Ouattara sera un gros problème. Parce que qui va faire comme lui? Personne. Enfin, pour le moment, moi, je ne vois pas. Peut-être comme Alassane même, il est démocrate, il va dire après ce mandat, je ne me représenterai plus. Je suis en train de former quelqu'un. Et tout à l'heure, Éclairel a dit, il a dit, quand vous êtes professeur d'une classe et que vous enseignez des élèves, c'est que ces élèves doivent être mieux que toi. Mais si ces élèves n'ont pas été mieux que toi, peut-être égal à toi, c'est que ta leçon n'a rien donné. Et c'est pourquoi je vais revenir par dire que, même si, et je le dis à tout le monde, peut-être dans le panel, quelqu'un le dira, il me dira c'est faux ou c'est vrai, même si Alassane Ouattara présente un chien comme candidat du RHDP, le candidat du RHDP va gagner. Parce qu'on sait ce qu'Alassane Ouattara lui a confié. C'est pourquoi quand chacun suit ses responsabilités, je vois des responsables politiques qui disent « Si vous présentez votre père, nous on présente notre père. » C'est parce que nous-mêmes, on n'a pas appris la leçon que le père nous a donnée. Sinon déjà, le nom protégé de notre père, c'est déjà notre père. Sinon, ce que tu dis est en affaire, c'est déjà fait, mon frère. Personne, aucun Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne veut aller taper un autre Ivoirien. Parce que chacun même est pressé pour aller travailler. Les étudiants qui sont sortis pour dire oui, si Babo n'est pas candidat, on va sortir, on va sortir. Tu les as vus encore pour faire une deuxième déclaration? Jamais. Non, du tout. Jamais de la vie. Même le PPAC même qui a pris la main, oui, il faut qu'on inscrive. À la fin, ils ne sont pas allés voir la CEI. À la fin, ils n'ont pas parlé de dialogue politique. Le président Hubert est venu leur dire, je ne suis responsable de rien. C'est vous-même, vous l'avez décidé et vous saviez ce que vous avez à faire. Deux jours après, ils ont été reçus par qui? Par le Premier ministre. Et après, Babou est parti se faire réinscrire encore ou bien aller faire réclamation à la CEI. Les muscles ne donnent plus. Et Babou, vous pensez que c'est pour rien? Il a dit qu'il ne va pas donner de coups. C'est parce qu'il sait que son coup même ne peut plus tuer une mouche. Tu vas donner quel coup? Toi-même, déjà, pour parler, on ne t'entend pas. Tu vas donner quel coup? Les personnes qui devraient te soutenir, là, tu les as chassées. Tu as chassé Simone Gbagbo. Tu as chassé Blegouté. Tu as chassé Afé Nguesso. Toi-même, tu as fait un parti avec des personnes qui étaient, comme on appelle, des poids mouches dans ton cortège. Hein? Ils sont là aujourd'hui, là, ils ont créé un groupe parlementaire PPAC. Mais dans le PPAC, là, qui est poignant dedans? C'est pas quand Bitoko voyait, ils les mettent tous dans l'avion et ça va faire la tournée dans le monde là. Vous qui êtes censé être l'opposition, vous êtes dans l'avion tous les jours. On vient de vous donner des voitures de fonction. Vous savez que l'État fonctionne. Autant de Babo, qui a une fois vu Babo donner voiture à quelqu'un, enfin le gouvernement de Babo donner voiture à des présidents de groupes parlementaires? Si quelqu'un a vu, dites-moi. L'État-nation est déjà construite. Notre État, là, c'est déjà construit. Parce que les Ivoiriens sont fatigués d'aller se battre entre eux. Chacun cherche maintenant, d'après les Ivoiriens, son dabali. Où tu peux avoir ton argent, c'est là-bas que tu t'amasses. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Donc, bon, merci. Oui, ok, mon grand compris. Non, vous avez la parole. Hein. D'accord, ok. Bah, pour moi, l'État-nation est en édification, mais il n'est pas construit. N'est pas, en fait, je veux dire, l'œuvre n'est pas achevée. Parce que, quand on parle avec certaines personnes de l'opposition, on sent toujours cette fibre
tribale, cette fibre xénophobe dans leur langage. On a vu dernièrement les sorties de cette guénon là de l'Orignon qui est sorti encore des propos vraiment xénophobes, du tribalisme. Bon, généralement, c'est des personnes, même si c'est des personnes qui se passent, elles ont un esprit très simple, elles sont très limitées intellectuellement, elles sont obligées de rentrer dans ce genre de bassesse. Mais, je veux dire, si elles continuent de tenir ce discours, parce qu'elles savent qu'il y a des horreurs, il y a des oreilles qui sont là pour accepter ce langage. Vous voyez? Et ça, pour moi, ça doit être banni, ça doit passer sous le coup de la loi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je demande une fermeté. La politique du jeu, elle est bonne. Il fait une très bonne politique économique. Vraiment, il donne le meilleur de lui-même. Mais il y a certains moments donnés, je pense que le politique l'emporte sur la logique, sur le coup naturel des choses. Parce qu'il y a certaines choses, si c'était sanctionné fermement dès le départ, je pense que ça donnerait un exemple. Un exemple. Et moi, je vais sans vraiment faire aucune autosatisfaction, je le dis en toute modestie, je pense que quand la plateforme a commencé à fonctionner, il y a beaucoup qui étaient choqués par les propos que nous tenions, et en l'occurrence que mon grand-père tenait. J'étais choqué. Même dans nous-mêmes, dans notre camp, on était parfois choqué par certains dits. Mais aujourd'hui, ça a permis de marquer notre d'affirmer notre caractère et notre ligne politique, et surtout apprendre à se faire respecter par les autres. Et aujourd'hui, ça, je dirais pas que ça nettoyait totalement la toile. Mais on entendait des insanités sur le jeu, on entendait des insanités de la part des opposants sur nos cadres. Et ça, vraiment, je pense que le travail a été fait et bien fait. Mais pourquoi aujourd'hui on a cette relative, vraiment, je vais dire, bonne ambiance là? Parce que simplement, ça, on a affirmé, mais de façon claire et nette et de façon tranchée, à travers un discours. Vraiment, celui qui voulait parler, on lui donne parler. Celui qui voulait aussi aller dans le sens, comme vraiment un groupe tout terrain. Mais avec vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de façon de faire, chacun à son niveau. Mais le but est en train d'être atteint. Parce que on est toujours en quête de mieux faire. Mais je trouve qu'en Côte d'Ivoire, quand je me rappelle encore, quand le vieux a pris le pouvoir, mais on voyait aucune mouche qui pouvait se permettre de tenir un discours comme ça. Lorsque nous, le flux pourri est tombé. Mais personne, pendant un bon moment, pendant un ou deux ans, personne ne pouvait se permettre de tenir un tel ou tel discours qu'on entend aujourd'hui. Parce que le pays avait été vraiment pacifié. Et chacun cherchait à aller au travail. Mais aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Il y a des groupes de milices qui se forment, des grands-pères de famille qui se forment, qui portent des t-shirts à l'effigie de fruits pourris pour chercher encore à troubler la quiétude sociale, la paix sociale. Mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il faut de la fermeté. Moi, honnêtement, je l'ai déjà dit, je veux une dictature éclairée, une démocratie, une dictature éclairée, une démocratie ferme, que chacun sache la place et qu'on puisse avancer. Honnêtement, vous croyez que ce flux pourri-là, il pouvait encore sortir, tenir de tels propos, sachant qu'il sait très bien ce qui s'est passé, il est conscient de ses actes, mais qui ne va jamais assumer, mais il essaie encore de venir insulter nos intelligences en nous faisant croire que c'est lui la victime. Mais quelqu'un, il dit qu'il n'a jamais rien fait. Mais comment tu peux être victime alors que tu n'as jamais rien fait? Il y a un paradoxe qui fait froid dans le dos. Donc, mais pourquoi? Parce que les cadres même ne le regardent pas. Nos cadres là aussi, quand c'est comme ça, il faut... Tout de suite, c'est-à-dire à comportement de mouton, réaction du berger, et puis les choses rentrent dans l'ordre.
Si c'est le président de la CEI qui est un organe indépendant, qui lui est obligé de venir encore, il n'a pas pris position, mais il a tellement fait parler sa compétence dans son domaine que aujourd'hui on le targue d'être un membre du parti au pouvoir. Mais parce que simplement nos cadres ne sont pas assez à la hauteur face aux agissements de ces gens-là. Il y a trop. Ça dit. Bon, voilà un peu en gros ce que j'aimerais dire quoi, sur le sujet. Voilà un peu. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Bon, le débat, c'était entre toi et l'aîné du mot de Bengue. Hein. Et moi, je ne fais qu'assister pour essayer de juger des compétences intellectuelles parce que vous dites tous les deux de très belles choses. Hein. Bon, donc, cher aîné, moi, voilà un peu ma position dessus. Moi, ce que j'aurais aimé, que faut que chacun sache là. Les règles à respecter. On va pas marcher dans une démocratie socialiste ou dans une démocratie à la russe, mais quand tu fais une bêtise là, faut t'entendre la sanction. Et mon grand-oncle a dit quelque chose la dernière fois sur la criminalité aux États-Unis. C'est-à-dire un criminel qui exécute un policier, il sait à quoi s'attendre. C'est dans l'État de New York, en fait. Bon, voilà. Okay, parce que vous savez qu'il y a les lois, lui, il y a les lois fédérales, voilà. Et il y a les lois locales. Il y a les lois locales, ok, exactement. Mais voilà. Nous, chez nous, généralement, ce n'est pas le cas, mon grand. Comment est-ce que, avec tout ce que nous, on a pu voir, avec ce règne de Byzance qu'on a vu de 2000 jusqu'à 2010, certains de nos membres, bon, je n'ai aucune preuve, mais si c'est le cas, c'est vraiment grave que certains de nos cadres qui veulent encore réhabiliter une personne comme ça. Mais voyez où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Il n'est pas le seul, hein. Ils ont aussi parlé du cas de Sorogium. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Là où la Côte d'Ivoire est en train de partir, là, si encore on doit rester là encore à faire les deals politiques et les arrangements politiques au prix du sang versé, bon, on va où? Moi, c'est ça, en fait. C'est ça, parce que je me dis, la Côte d'Ivoire ne devait pas être où elle est aujourd'hui. Peut-être c'est moi qui suis trop idéaliste, trop avant-gardiste dans ma façon de voir les choses, mais j'estime que on a trop perdu de temps. Et notre vie est très courte. Nous, on a envie de voir une Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, ça dit, impose le respect. Mon grand-oncle, on prend le cas de la Corée du Sud. Au temps de faux-douaniers, si je me trompe, dans les années 60 ou 70, les Coréens venaient prendre des prêts avec nous. Je prends le cas de l'Indonésie. Les Indonésiens sont venus chercher des plants de palmiers en Côte d'Ivoire. Il y a même des palmiers même qui ont été confectionnés enfin, avec des mélanges de trucs pour créer des spécialités qui aujourd'hui poussent en Indonésie. Mais regardez où ils sont, regardez où nous sommes. Pourquoi? Pour les querelles de personnes, pour l'ego de certaines personnes incompétentes, pour la méchanceté, à cause de la méchanceté de certaines personnes qui n'ont pas voulu que les choses. Pourquoi le président il est si détesté comme ça? Parce que simplement, les gens, pourquoi il est venu gâter notre mangement, pour parler simplement? Pourquoi il est venu gâter notre mangement? Pourquoi il est venu mettre la carte de ce jour alors que nous, tout le week-end, à partir de jeudi, on faisait les rafles. On a attaché le bout des douleurs, il donnait l'argent, et puis cet argent-là, des grands cas du parti, au temps du parti unique, et chacun avait son mangement dessus. Mais lui, il a vu, il s'est dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça, cet argent-là. Si dans ce cas-là, on va officialiser les choses pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Et tu avais mis dernièrement aussi, il y a à peine un mois de cela, un discours où le président même était assis, le président Foubani, parce que notre cher papa était premier ministre, il a éveillé notre esprit. Il nous a montré vraiment que, ah, tu peux être président, mais on peut aussi te dire la vérité.
Il a dit à vous, il faut payer les impôts. Là, là même, là, autant de babous là, qui, quel ministre ou quel premier ministre pouvait dire à Babou, il faut payer les impôts. Ils nous ont infantilisés, ils nous ont chosifiés à travers leur comportement, à travers des blagues sud. Ah, vous n'avez pas eu la chance. La route là, à gauche, parce que les cailloux étaient très aiguisés. Les gens rigolent, et puis nous aussi ils rigolent. Mais est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Déjà, même où il est là, même s'il revient, ça ne peut plus prendre parce que lui-même, il est fatigué. Vraiment, je dis ce monsieur-là, c'est l'homme du passé avec un lourd passif. Il faut vraiment qu'on tourne cette page-là. Définitivement, le lieu, le moment nous est donné à notre grand homme, est donné à la nation, est donné aux consciences ivoiriennes de le faire. Pas parce qu'on est contre lui, mais parce que déjà, on a eu le temps de voir ce qu'il a fait. L'intérimaire dédié, l'intérimaire Babo, on a vu ce qu'ils ont eu le temps de faire. Nous, on a envie que demain, notre président, après le président Ouattara, même s'il va faire 1000 mandats au pouvoir, que celui qui va le suivre va nous dire, bon, voilà. Lui, il va faire partie satellite. L'autre qui vient, il va nous dire, ah, bientôt la Côte d'Ivoire aura une fusée sur Mars. C'est ce que nous, on entend. C'est possible. Parce que celui qui a conçu le robot qui est parti sur Mars, là, c'est un Malien. C'est un Malien. Et il y a beaucoup d'Africains comme ça qui ont marqué et qui continuent de marquer le monde. Vous voyez? Donc, je pense qu'on a tout ici. Mais essayons de nous aimer. Essayons d'être un peu humble. Et puis essayons de vraiment... de faire des choses pour marquer notre passage sur cette terre et surtout aimons l'Afrique, aimons les Africains. J'ai la chance souvent de tourner un peu dans la sous-région quand j'ai la possibilité. Mon grand oncle, le président Ouattara, il fascine les gens. Moi, quand je vais là, je parle, hein, je dis, ah, voilà, nous, voilà, le président, il est en train de faire ci, bientôt on aura et métro qui va passer chez nous. Les gens, ils t'écoutent, ils disent, ah, vraiment, ce gars-là, on l'aime pas, mais vraiment, il fait du bon boulot. Moi, je suis content. Je suis content. Maintenant, comme ça m'énerve, comme ils disent qu'ils l'aiment pas, ils disent, mais pourquoi vous l'aimez pas? Ah non! Parce que si je l'ai dit, non, ça c'est des faux problèmes. Lui là, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est parce qu'il est tellement avancé dans son esprit. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a un cadre d'un pays de la sous-région, un haut placé d'un pays de la sous-région qui m'a dit que c'est un homme qui est très, très, très intelligent. Mais ça se voit au quotidien. Comment Denis Sassou Nguesso, le président, l'empereur, celui qu'on appelle l'empereur, qui était là depuis les années 90, depuis le temps de Faubonny, il vient voir aujourd'hui le président Ouattara. Comment les Saoudiens adulent ce monsieur, respectent ce monsieur. Et je crois que c'est toi qui m'as dit ça aussi, et plusieurs fois, il partait en visite non officielle et pendant le comment il s'appelle, le règne de Barack Obama et à la Maison Blanche. Même le programme pour aider les Américains à quitter dans la crise de 2008, là. C'est la Sénat Ouattara qui conseille Obama. Vous voyez, on ne peut pas avoir un homme comme ça et puis rester là encore dans les histoires de lui. Et c'est un problème politique, c'est pas un problème de justice. Bon, même si les recours, mais est-ce que ça, là, ça peut avancer quoi dans l'économie, dans le PIB de la Côte d'Ivoire? Le frère qui a intégré là quelque part là-bas, là, qui le plantait qui a intégré là, ça peut lui apporter quoi? Celui qui a Nyamboroso, celui qui a Niélé, celui qui a, je ne sais pas moi, à Thiébissou, celui qui est dans un petit village à Koffi Kro là-bas, qu'est-ce que ça peut lui apporter dans son bonheur? On dit non, l'alternance, la démocratie, ceci, cela. Mais je pense que le plus important, c'est le produit intérieur. But, le produit intérieur qui peut apporter le bonheur, le minimum de bonheur à chaque Ivoirien, à chaque habitant du pays. Moi, vraiment, c'est ce que nous attendons. Mais ce n'est pas les querelles politiques. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'être des hommes fiers et d'être des hommes heureux.
L'intégration dont on parle, mon grand-oncle le dit très souvent ici, lors du débat, je crois que c'était à la une dans les années 90, avec Ali, en ce moment, le ministre Ali Koulibaly était encore directeur général de la RDI, lorsque le président Ouattara a parlé de l'intégration des pays de la sous-région. Mais si la façon dont la Côte d'Ivoire est en train de partir, là, dans 20 ans, on pourra créer une fédération. Déjà, le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays vraiment majeur économique de l'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria. Si vraiment les volontés sont unies, je vous assure, et ça, c'est vraiment, c'est tout à fait naturel. L'unité là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis sont vraiment le pays phare du monde? Parce que c'est des États qui sont en fédération, créer une unité où vraiment comment il s'appelle, je veux dire, la décision finale est respectée. Ils se sont imposés par rapport à ça. Regardez le Grand Nigeria avec son armement. Regardez la Côte d'Ivoire avec sa puissance économique. Regardez la Côte d'Ivoire avec toutes ses qualités. Regardez les intellectuels. Regardez toute cette richesse-là, regardez toute cette richesse culturelle, cette richesse économique. Imaginons-nous faire un bloc fédéral, une unité en commun. Voyons plus loin que le bout de notre village, voyons plus loin que le bout de nos langues, voyons plus loin. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se faire respecter. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui à travers les coups d'État par-ci, par-là, qui ne vont pas loin, qui ne font que régler, faire reculer nos pays. Si on était unis en fédération, je pense que aucun militaire nous irait même. Bon, mon grand oncle, laissons ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires de l'État de New York peuvent s'élever pour dire, ou bien les policiers de l'État de New York peuvent s'élever pour dire, vont faire coup d'État contre le gouverneur de New York? Non, ça ne tombe pas sur les sens. C'est pas possible. Mais on est. Alors que New York, là, New York est plus grand que. Je ne sais pas, mon grand oncle, est-ce que New York n'est pas plus grand même que le Libéria? Oui, tout naturellement. En termes de surface. Vous voyez. Regardez le Bénin. Le Bénin Togo, là, en une journée, tu traverses les deux pays. Pas sur le plan de la latitude. Tu traverses les deux pays. Mais ces deux pays-là, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes populations, c'est les mêmes langues. On parle Mina là-bas, on parle Fa là-bas, on parle, c'est les mêmes langues, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes cultures. Bon, regardez le cas du Congo, Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville avec Congo-Kinshasa, là. Kinshasa et Brazzaville, ils partagent. C'est une eau qui ne fait même pas 3 km qui les sépare. Il n'y a que 3 km de l'autre rival. Voilà. Voilà, vous voyez, et ça, les Blancs, ils se moquent de nous. Parce que nous, on n'arrive pas encore à comprendre vraiment l'impérieuse nécessité de dépasser cette barrière mentale-là dans laquelle la colonisation nous a enfermés. Et puis nous sommes encore là en train de nous battre pour nos petites différences. Au lieu de voir ce qu'on a en commun, et on est là, on perd du temps. Voyez, imaginez l'Afrique de l'Ouest avec le président, le Prado à la tête de cet ensemble-là, avec un premier ministre comme Macky Sall, avec des grands milliardaires du Nigeria. Mais on serait respecté à travers le monde entier. Qui peut oser venir avoir même une velléité de déstabilisation dans cette zone-là? Donc, vraiment, mon grand oncle, j'aimerais m'arrêter là pour dire vraiment que j'aurais aimé que ça soit ça. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, et surtout par notre volonté, nous-mêmes, on arriverait un jour à cela. Ok. Voilà. Et donc, on va déjà à la fin. Et je m'excuse beaucoup pour Abdoul qui voulait la parole. Malheureusement, on est déjà coincé par le temps. Mais demain, c'est la voix du militant. Vous aurez aussi la parole. Mais Abdoul a posé une question de savoir pourquoi nos opposants n'arrivent pas à faire un programme de campagne. La réponse, elle est simple. Abdou, tu vois, chaque matin, quand tu te lèves, que tu vas au travail, tu prends l'intention de vouloir atteindre un objectif. Mais cette intention-là vient de la volonté. Ça veut dire qu'il y a une capacité de dire « je veux ».
Et ce je veux que tu dis là, c'est ça que tu transformes en acte. Et c'est ce qui manque à cette opposition là. C'est pas parce qu'il peut pas écrire un livre pour dire voilà ce qu'on propose aux gens. Mais c'est la capacité de pouvoir matérialiser là. C'est cette volonté là. Voilà ce qu'on a écrit là, nous on va faire là. C'est ça, ils ne peuvent pas faire. Parce que eux-mêmes sont conscients qu'ils ne sont pas venus en politique avec des qualités. Ni des qualités humaines, ni des qualités intellectuelles. Qualités humaines, parce que quand vous regardez leur manière de parler aux gens, leur manière de se comporter avec les gens, leur manière de traiter les autres, ça fait qu'eux-mêmes n'ont pas d'ouverture sur le monde. Or aujourd'hui, là, même si tu enlèves ton or et puis ton diamant, là, tu vas vendre ça aux autres. Mais tu n'es pas en bon rapport avec eux. Donc l'argent, là, ça va te manquer. Or, pour pouvoir faire quelque chose, les routes, les ponts, et pour pouvoir faire ce que tu as dit là, il faut aller voir les autres. Ce qu'eux, ils ont là, que toi, tu n'as pas là, c'est avec ça que tu peux réaliser ce que tu veux. Et donc, c'est ça qui est leur premier frein. Et intellectuellement parlant, et ça, je fais un mélange avec l'idéologie politique, ils n'ont pas d'idéologie politique. Laurent Gbagbo là, tu le prends, tu le mets propre là. À part la haine tribale, il n'a pas d'idéologie politique. Lui-même, au moment où il était au pouvoir, les socialistes même disent qu'il est infréquentable. Quand on dit quelqu'un infréquentable, ça veut dire, idéologiquement parlant, c'est une calamité. Et bizarrement, Alassane Ouattara n'a jamais changé d'idéologie. Il nous a toujours dit qu'il est un libéral. Et il a agi ainsi. Mais, demandez à Bédier, lui, il est de quelle obédience idéologique? Il lui-même ne sait même pas. Laurent Gbagbo, quand il se réveille, il pense que c'est le monde qui est bête. Il dit non, lui, il est devenu panafricain, lui, il aime les Africains parce que c'est ce qu'on a entendu beaucoup sur Internet qui impressionne les jeunes gens. Donc, il faut dire qu'on est panafricain. Mais son passé le condamne lourdement à cet effet. Et ses propos du présent ne lui font pas honneur en la matière. Quand lui et ses partisans traitent d'autres Ivoiriens d'étrangers et le président actuel d'étrangers. Bon, quand vous le traitez d'étrangers, là, le pays auquel vous faites référence, là, est-ce qu'eux peuvent se sentir inclus dans votre panafricanisme? Et c'est là que j'ai dit que c'est du flactus voxis. Ça vous fait mal, mais je vais prononcer ça 1000 fois. Et donc, c'est cette volonté-là qui manque. Mais pas parce qu'ils auraient souhaité, mais parce que c'est une réalité qui s'impose à eux. Et donc, ils ne pourront pas écrire ça parce que quand ils vont le faire, ils se condamnent devant le peuple. Or, eux n'ont pas envie de se condamner devant le peuple. Ils n'ont pas envie de prendre le risque. Et pour simplifier la chose, ceux qui sont faits pour être des grands posent des grands actes. Mais ceux qui sont faits pour être des petits hommes, même si vous les mettez au sommet, ils vont toujours poser des petits actes pour revenir à leur nature. Ainsi en est-il de Laurent Gbagbo et de Bédier. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont animé le débat de ce jour. Merci infiniment à l'aîné Jomo de Beng. Merci à Sunyata le Conquérant. Merci au Roi du Printemps. Et Yann, on va vous laisser 2 minutes pour faire votre conclusion. Et on va laisser la conclusion en 2 minutes à l'année Jomo de Beng pour pouvoir conclure. Ah, bon, lui-même, il est parti. Je crois que finalement, ce sont les Sénoufos qui ont gagné puisqu'il a fui. Et donc, Yann, en 2 minutes, vous pouvez nous faire la conclusion. Ah, mon grand oncle. Mm-hmm. Mon grand oncle, nous, on ne parle pas beaucoup. Effectivement, on dirait que les effets du mystique ont eu raison. Hein? Non, c'est juste pour rigoler vraiment. Merci beaucoup. Merci mon grand oncle. Je crois que je suis très, très, très content de vraiment d'avoir eu l'opportunité de vraiment de parler, de vraiment de dire une partie du fond de ma pensée concernant vraiment ce que moi je veux pour mon pays, ce que je veux pour la région africaine, enfin, pour le continent africain. Je trouve que vraiment aujourd'hui, grâce au président, nous sommes vraiment dans le monde des possibilités. Vous voyez, je n'aurais jamais eu toutes ces idées-là. Je serais vraiment, j'étais un homme frustré, un homme vraiment très, très frustré au temps de des deux intérimaires. Et parfois même, on était obligé de vraiment de botter en touche certains sujets qui nous tenaient à cœur. Mais malheureusement, les leaders n'étaient pas à la hauteur. Vous voyez, lorsqu'on avait un leader qui parlait des problèmes des sans-papiers où vraiment les gens ils partaient se retrouver dans le grenier là-bas pour prendre leur argent après avoir utilisé le papier de leurs camarades, bon, c'est des sujets comme ça dont on parlait. Et quand tu arrivais au travail,
tes collègues de travail t'interpellaient pour parler de ça. Ah, il y a ton président. Et bah, y avait des Antillais qui ne connaissaient pas l'Afrique qui te sortaient ça. Tu étais tellement chiné, tellement mal à l'aise. Et voilà, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape. On est passé à une vitesse comme Rolls-Royce passe à une moto, à un vélo, où le président est en train de vraiment de carburer au maximum. Et nous savons qu'il peut nous donner plus. Nous savons qu'il peut, il peut faire plus. Mais c'est à nous aussi vraiment de suggérer. Parce que tu dis toujours, on est écouté, on est écouté. Donc moi, je sais que je suis écouté. Et ça, là, j'ai la preuve de ça. Parce que j'ai dit le pont, là, on ne va pas donner son nom. Là, mon grand frère, je parle, c'est un fier de ça. Et je suis très content. J'ai dit, Paul, il ne va pas porter son nom, le nom de ce monsieur-là. Et grâce à Dieu, grâce à cette force d'esprit que nous avons vraiment tous en commun, parce que nous avons le même idéal, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la liberté. Et la, ce qui est fondamental même dans la liberté, c'est la sécurité. Une fois que tu as ta sécurité, là, tu es libre. Si on dit, on entend un bruit de pistolet, là, chacun se cherche, ça veut dire, là, on n'est plus libre. Vous voyez, on a vécu des situations aujourd'hui, Dieu merci, tout ça là c'est derrière nous, mais ça doit nous servir de leçon. Donc on ne doit pas négliger. Mon frère, le roi dit toujours ici, quand un ver de terre, quand un serpent te pique là, quand tu vois un ver de terre, il faut prendre ton bâton. Si tu peux sauver un ver de terre, sauve un ver de terre, mais il ne faut pas sauver un corps. Donc il faut vraiment que nous puissions vraiment penser au bien-être de tout le monde. Merci. C'est pas moi, merci mon grand oncle, c'est pas moi j'ai réussi, et puis l'autre, il doit maintenant le voir parce que lui, il est dans la misère, et moi, je suis plus content de sa misère. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vraiment, merci beaucoup, et que Dieu nous garde, qu'il nous donne vraiment beaucoup de santé pour que vraiment on puisse vraiment être heureux de voir notre pays et notre continent se développer. Merci beaucoup, le grand Yann. Merci pour tout ce que vous nous avez appris. Merci à Sunyata le concurrent. Merci au roi du printemps. Merci à Jomo de Ben. Merci à tous ces élèves de la classe qui ont partagé, qui ont mis les cœurs. Et je salue ici la belle et ravissante Binette Sidibé. Mais toi, là, il n'y a pas la main, toi et moi. Depuis que tu es quitté en France, là, tu fais trop malin maintenant dans le quartier, là. Mais on va se retrouver. Ça, c'est entre nous. On va régler ça en famille. Et donc, j'allais dire comme ça, et en me basant sur les mots du grand maître Yann, quand une Rolls Royce passe, les motos bécanes comme Bédier, avec les bicyclettes, c'est nous faut comme Babo quitter sur la route. Quand la Rolls Royce Alassane Ouattara passe là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être à côté de lui. Sinon, son vent là, ça va vous faire rentrer en brousse. Donc, les motos bécanes comme Bédier et les bicyclettes, c'est nous faut là. Laurent Babo, vous me voilà. Écoutez. Bon, c'est fini, l'émission est terminée. Et je salue Alexandre Aoussou. Et tous les grains de la Côte d'Ivoire. Je salue aussi les grains de Djamourou. Djamourou Pharmacie, vous êtes salués. Je salue les grains d'Aouniassou. Je salue tous les grains de Dar es Salaam, à droite comme à gauche. Tous les grains de Belleville. Tous les grains de Sokoura. Surtout les grains de Yaoundé. Les gars, vous êtes tous salués. Je salue aussi tous les gars de la gare routière de Boaké. Et puis les gars routières aussi d'Adjamé. Et puis d'Abobo aussi. Mais surtout, on salue aussi le grain de Paris, sans oublier l'efficace et cette redoutable équipe du grain de Yamoussoukro, qui sont les durs des durs. Et les gars, on est ensemble. Continuez à gérer le terrain. Pays là, on ne laisse pas. Tant que le vieux n'a pas dit qu'il est fatigué là. Et puis même si le vieux même dit qu'il est fatigué là. Tant que nous, on n'a pas décidé que l'ovier est fatigué là. Parce qu'au quartier, c'est comme ça qu'on appelle l'ovier. Tant que nous, on ne laisse pas l'ovier là. L'ovier est calé, son boulon là. Ça est là. Mettez il sur son boulon, on va serrer encore. Et donc, c'était pour faire un peu dans le comique. Mais merci à tous. Et que la grâce divine demeure en nous. Et on se retrouve demain pour la voix du militant. Merci beaucoup, cher grand maître.